Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue. C'est la 9e édition des trophées Septuor dans le Tarn. Et c'est cette soirée, c'est cette cérémonie qui nous réunit ce soir. Elle est à l'initiative du groupe La Dépêche du Midi, en direct sur ladépêche.fr. Nous saluons celles et ceux qui sont déjà devant leurs écrans. Cette soirée tiendra toutes ses promesses, dont la première, mettre en relation les acteurs du territoire et mieux les faire connaître. C'est Éric Dournès qui, habituellement, met en scène et anime ces cérémonies. Je le remplace exceptionnellement ce soir. Message subliminal, merci pour votre indulgence. Et Éric Dournès a l'habitude de rappeler deux points, ouvrez les guillemets. Les Septuors sont devenus un rendez-vous incontournable dans le monde économique afin de mettre en lumière chaque année son lot d'entrepreneurs et d'entreprises innovantes, surprenantes, inspirantes, qui se développent dans le département et qui prospèrent souvent en dehors du département. Finalement, des ambassadeurs de l'économie, dont le rôle est plus que jamais primordial dans la société d'aujourd'hui. Dans ce contexte, et dans le contexte si particulier dans lequel nous évoluons depuis quelques mois, quelques années même, l'enthousiasme des dirigeants tarnais sera une nouvelle fois pointé du doigt à l'occasion de cette soirée. Avant de la démarrer, sachez que les entreprises nommées que nous allons récompenser ce soir ont été sélectionnées en partenariat avec la CCI du Tarn selon 9 catégories que je vous propose de découvrir à l'écran maintenant. Il y aura le prix CCI, commerce, artisanat et territoire, industrie, agroalimentaire, international, entrepreneur, développement durable, innovation et le prix spécial de la région Occitanie. Et chacun de ces trophées est parrainé par un des partenaires de cette soirée, dont voici la liste, la région Occitanie, la CCI du Tarn, le conseil départemental du Tarn, la mutuelle Prévi France, le Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées, Saveur du Tarn, BPI France et ACOM. Le décor est planté, je vous propose d'ouvrir cette soirée et pour ce faire, nous accueillons M. Frédéric Touraille, directeur général délégué du groupe La Dépêche du Midi, que nous accueillons et que vous pouvez accueillir. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Frédéric Touraille, directeur général délégué du groupe La Dépêche du Midi. Alors avant de parler, d'évoquer l'actualité du groupe dans quelques instants, je vous propose d'accueillir nos invités réunis autour de Michel Bossy, le président de la CCI du Tarn ce soir. Bien, merci beaucoup. C'est un sacré périple pour rejoindre la scène. Il y a des pièges. Voilà, pour ceux qui seront lauréats, bon courage pour monter sur la scène. Bienvenue à tous. C'est toujours un plaisir pour le groupe La Dépêche de vous accueillir, d'accueillir tous les entrepreneurs et puis surtout de fêter le succès ou les succès économiques du Tarn. On le fait tous les ans en collaboration avec la CCI, avec l'ensemble de nos partenaires et notamment la région et le conseil départemental. Le groupe La Dépêche est une entité économique à part entière, c'est évident, tout le monde le sait, on l'a bien compris, et depuis longtemps d'ailleurs. En termes d'actualité pour le groupe, et peut-être si on pointe du doigt, si on appuie sur le bouton innovation pour le groupe, qu'est-ce que vous avez à déclarer ? Alors, on est souvent vu comme un média, ce qui est une réalité, mais on est aussi une entreprise avec des hommes, des femmes, des produits. Et donc, on est toujours en quête de succès et de réussite. Et donc, puisque vous me posez la question, je pense que c'est important pour l'assistance d'insister sur trois succès pour le groupe Dépêche
à côté à la fois des ventes de journaux et, et de la performance sur le numérique qu'on connaît au jour le jour, il y a trois choses qui sont importantes. La première, c'est que nous avons élargi notre offre médiatique en rachetant Via Occitanie, une télévision locale, en avril 2021, donc à la sortie du Covid. On a pris la décision de racheter cette chaîne locale avec quatre fréquences TNT sur la région, ce qui était plutôt courageux, puisque on l'a racheté à la barre du tribunal de commerce, donc, et on a réussi à la relancer avec une nouvelle grille, avec des nouveaux packages et de sponsoring publicitaire. C'est un nouveau métier en même temps. Et c'est une nouvelle corde, à la fois en développant la vidéo, et on progresse tous les ans en ayant une audience vidéo de plus en plus forte, mais là on a fait un pas de géant avec 25 journalistes sur le terrain qui font de la vidéo, aux côtés des journalistes de la Dépêche. Je salue d'ailleurs Kim Kempf, qui est parmi nous, qui est le patron de la rédaction locale du Tarn. Donc, première chose importante, cette télévision, et je vous encourage à la regarder, c'est le canal 31 de la TNT. Ça tombe bien. Exactement, c'est pratique. Même si on est dans le Tarn, ça rappelle la Haute-Garonne. Quand même, un petit peu. Deuxième chose qui me paraissait importante de vous dire, c'est qu'on a... On a lancé avec succès un festival. Alors, on a un festival Pause Guitare à Albi qui a des années derrière lui, qui est un formidable succès. Et donc, on s'est largement inspiré, notamment du succès d'Alain Navarro, pour lancer un festival sur Toulouse, puisque Toulouse manquait d'un festival. Un festival qui est plus R&B et rap, et qui a permis de rassembler pendant deux jours 25 000 personnes chaque soir. On l'a lancé avec Big Fleu et Oli, on en est très fiers, et donc on va pouvoir décliner, à côté de Pause Guitare, un festival sur Toulouse. Et puis la troisième chose, et là je m'adresse aussi à l'ensemble des entrepreneurs qui sont présents, c'est qu'on a eu on a l'occasion de pouvoir assister à un match de rugby le 20 novembre prochain au Stadium, un match de l'équipe de France, France-Japon, troisième test match de la tournée d'automne. Et c'est le groupe Dépêche et l'agence de communication qui a en charge la vente des hospitalités. Donc si vous n'avez pas encore vos places pour le match, je vous encourage à vous rapprocher de Laurent Marlinge qui est là ce soir et qui pourra répondre à vos demandes. Très bien, trois axes d'innovation bien différents. Merci, merci beaucoup. Vous allez rester avec nous pendant quelques instants. Il y a un invité que nous allons... accueillir sur scène maintenant et qui va devoir franchir le fameux périple. C'est Michel Bossy, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Tarn, que nous accueillons sur scène. Bonsoir. Bonsoir, Président. C'est pas si catastrophique. Oui, bon, non, on s'y fait. Il faudra sortir dans le même sens, d'ailleurs. Je vous le dis, parce que si vous sortez dans cette direction, vous êtes là jusqu'à 4 heures du matin. Très bien. Alors, Michel Bossy, avant de vous laisser décerner tout à l'heure le prix spécial de la CCI, je vous propose, comme l'a fait monsieur à l'instant, accueillir nos invités. Ils sont nombreux. Bien, écoutez, bonsoir à tous. Je veux entendu saluer toutes les entreprises qui sont présentes ce soir. Sur cette soirée des Septuors, où avec la Dépêche, on est partenaire depuis 2017. Et voilà, où on œuvre régulièrement pour travailler ensemble, pour mettre en lumière ces magnifiques entreprises donc, de notre département. Bon, un département, je l'ai souvent dit, tout le monde parle de crise actuellement, l'augmentation de l'énergie, enfin, je ne vais pas vous la faire à l'envers ce soir, on n'est pas là pour ça. Mais simplement dire que ça fait vraiment du baume au cœur et du bien d'avoir de temps en temps des soirées comme ça, où justement on positive et où on met ce qu'on est capable de faire de mieux dans le département à l'honneur. Voilà. Et ça, on est complètement, bien entendu, favorable à ça, partie prenante, partenaire, et je remercie, et j'en profite pour remercier bien entendu tous les partenaires qui nous permettent d'organiser ces Septuors, en fait qui vous permettent d'organiser ces Septuors à nos côtés. Alors, vous ne voulez pas que l'on parle trop de crise, mais comme j'ai l'esprit de contradiction, je vais le faire un petit peu quand même, malgré toutes les crises qui se succèdent à un rythme effréné, qui ont des noms très différents. Nous sommes d'accord sur un point, quand même, il est vital, primordial, de rester dans une positive attitude.
Mais écoutez, tous les entrepreneurs qui sont là, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui me démentiront, mais si l'entrepreneur n'est pas dans une positive attitude, il va fermer la boutique, quoi. Donc, si vous voulez, un entrepreneur, par essence, c'est quelqu'un qui se remet en cause tous les matins, c'est quelqu'un qui a l'habitude de surfer sur les difficultés, et ça fait absolument, ça fait combien maintenant? Ça fait à peu près 4 ans qu'on a des crises qui se succèdent, et je crois qu'on va de moins en moins être dans un monde stable. Donc, je crois qu'il faut s'y faire. Je crois que les entrepreneurs l'ont compris. Et donc, ça veut dire qu'il faut se réadapter systématiquement, anticiper les coûts, voilà, et s'organiser. Et c'est ce que font magnifiquement bien les entreprises du Tarn, puisqu'aujourd'hui, on dit qu'on a un département qui est très résilient, je l'ai souvent dit. Pourquoi ? Lié à sa diversité, d'abord, dans un premier camp. On a une diversité de métiers qui est absolument extraordinaire. On a des filières complètement différentes. On a une filière plus marquée que les autres, à part peut-être la santé avec les laboratoires Pierre Fabre sur le sud, mais ensuite, quand on regarde le reste, c'est des filières qui sont quand même, je dirais, très différentes les unes des autres, hein, parce qu'on a un département qui est déjà lui-même différent. On va de la montagne au côté Castré, au Mazamétain, voilà, au nord du département ensuite, sur l'Albigeois, le Carmozin et autres. Et voilà, ce sont des territoires différents. Mais les entreprises, les entrepreneurs, c'est tous les mêmes. C'est des gens volontaires qui ont envie d'avancer. Moi, je ne me lasse pas de discuter avec ces entrepreneurs et de partager avec eux, mais des fois leurs difficultés, des fois leurs bons côtés, et de les accompagner, surtout au quotidien, avec les équipes de la CCI. Voilà, voilà, il faut rester positif, et vous le dites avec le sourire, vous êtes raccord. Merci beaucoup, Président. Vous allez rester avec nous. Si je vais vous libérer, Frédéric Touré. On vous retrouvera tout à l'heure. Merci beaucoup pour vos mots d'introduction. Restez avec moi, Président. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici le lancement officiel de cette 9e édition des Septuors dans le Tarn. Et ça commence, bien entendu, avec la première catégorie. Et voici en image l'exemple d'une chambre consulaire qui booste les dynamiques entrepreneuriales. Le président ne va certainement pas me contrarier sur ce point. Voici quelques images que je vous invite à découvrir. Numérique, Brexit, écologie, pandémie, concurrence internationale, transformation des métiers, notre monde a changé. Nos entreprises, nos territoires, nos jeunes ont changé avec lui. Nous aussi, nous avons changé. Pour continuer d'accompagner ceux qui ont des idées, pour lancer des projets d'une vie et aider à transformer des entreprises centenaires, pour former de jeunes apprentis à de nouveaux métiers et proposer des formations adaptées à des salariés, pour rendre nos territoires plus attractifs et proposer des solutions à ceux qui souhaitent y installer, pour soutenir des entrepreneurs passionnés et leur permettre de ne pas renoncer, mais de se relancer. Parce que nous avons été présents dans les mauvais moments, comme dans les bons. Et parce qu'ensemble, nous sommes plus forts, nous serons toujours à vos côtés. Chambre de commerce et d'industrie, la proximité engagée. Toujours à nos côtés. Tout est dit. Tout à fait. Tout dans les bons comme dans les mauvais moments. Alors, le prix spécial CCI du Tarn que nous animons maintenant met en lumière les entreprises inclusives. Première question, pourquoi avoir choisi de mettre cet angle-là en avant, dans la lumière ? Et comment vous définissez d'ailleurs une entreprise inclusive, Président ? Alors, une entreprise inclusive, d'abord, j'ai une définition qui dirait presque c'est une entreprise qui a réussi à mettre un cadre qui permette de favoriser la différence. Voilà. Et si vous voulez, pourquoi on met en lumière ça ? C'est parce que, bon, d'abord, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais les entreprises, si vous voulez, par rapport à ça, ça fait longtemps qu'elles ont compris que le modèle avait changé. Ça fait longtemps que les entreprises ont compris qu'il fallait qu'elles puissent s'organiser autrement sur leur mode de management. Et il y a deux grands secteurs, si vous voulez, où elles agissent. C'est à la fois la transition énergétique, donc pour se bagarrer par rapport à tout ce qui se passe, et ensuite toute la partie management du personnel qui doit être vue complètement différemment. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que cette année, nous avons décidé de dire, mais parmi tout ce qui se passe, il y a des entreprises qui sont excessivement volontaires sur ces sujets-là, qui sont innovantes sur ces sujets-là, et il faut qu'on arrive à les mettre en avant pour que ça serve aussi d'exemple à d'autres et qu'on continue à évoluer.
Voilà. Est-ce qu'on n'a pas affaire à un phénomène de mode ? Alors, si j'étais politiquement correct, je dirais non. Mais comme vous me connaissez, je vais dire si, si. Vous avez l'esprit de contradiction, si. Vous aussi. Pas contradiction, mais si, si, c'est un phénomène de mode. Parce que, si vous voulez, on invente des mots. Aujourd'hui, c'est entreprise inclusive. Hier, c'était les entreprises ouvertes. On a parlé aussi à un moment de... et on peut prendre un autre exemple, qui était de dire que si une entreprise n'avait pas une succursale en low cost, elle ne pourrait plus travailler avec les grands donneurs d'ordre. Donc, on invente toujours quelque chose qui fait que l'entreprise est obligée de s'organiser avec ça. Mais l'entreprise, elle, n'a pas attendu, je dirais qu'on parle à la fois d'entreprise inclusive ou de transition énergétique, pour se remettre en cause à la fois sur l'énergie et à la fois sur ses modes de management. Donc ça fait longtemps que l'entreprise, déjà, est engagée sur ces aménagements. La seule différence, aujourd'hui, c'est la communication, en fait. C'est-à-dire qu'une entreprise se doit, aujourd'hui, de communiquer sur ses bonnes pratiques et sur ce qu'elle est capable de faire. Voilà. Moi, c'est comme ça que je l'analyse. Et de dire que, si vous voulez, dans la mesure où ça va loin, hein. C'est-à-dire si une entreprise aujourd'hui ne communique pas sur ses bonnes pratiques, certains grands donneurs d'ordre sur les sous-traitants les blacklistent, tout simplement. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, oui, on est un peu dans une espèce de mode entre guillemets, mais c'est un passage obligé, mais qu'ont déjà engagé beaucoup d'entreprises, voilà, du territoire et d'ailleurs. Très bien. C'est votre avis et vous le partagez. Alors, je ne sais pas si je le partage, mais voilà, je le partage avec vous. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup du même avis que moi, mais oui, c'est mon avis. Alors, revenons, Président, à ce prix, mesdames et messieurs, les entreprises nommées dans cette catégorie sont... La Fabrique & Co est un atelier de confection d'articles textiles basé à Carmaux, lancé pour fabriquer des masques en coton bio durant la crise sanitaire. Le projet s'est diversifié sous la houlette de Damien et Adeline Mirales, ainsi que de Christiane Blanc. L'atelier produit des accessoires de soins et beauté sous la marque Maison Coquelicot et des vêtements haut de gamme pour des créatrices françaises. Il répare également des gilets de guerre d'entraînement pour Thalès. La Fabrique & Co défend l'éco-responsabilité dans la confection textile ainsi que le 100% Made in France. Elle exporte désormais en Belgique, au Japon et bientôt en Australie. Get Electronique, basée à Castres et dirigée par Michel Lambert, travaille à prolonger la durée de vie des systèmes électroniques. Son activité est résolument dans l'air du temps avec la question de l'obsolescence programmée qui touche l'industrie, le nucléaire ou la défense. Elle traite à la fois des capacités de réparation et de clonage de cartes électroniques afin de prolonger la chaîne de production de nombreux acteurs, notamment dans le domaine de la médecine. Le site héberge également la filiale Bridgelec qui emploie 60% de personnes handicapées pour ses activités de câblage. Wallaby est une entreprise dite adaptée puisqu'elle emploie une majorité de personnes en situation de handicap et œuvre à Albi dans les domaines du transport, de l'industrie et de la bureautique. L'entreprise gère par exemple le transport d'enfants, de l'aide sociale, intervient en atelier sur le câblage pour armoires et télécommandes ou coordonne l'accueil GRC pour différentes structures privées ou publiques du territoire. Le président Patrick Mathieu propose des missions singulières d'accompagnement dans différents secteurs et fait tout pour soulager la charge de travail de ses salariés avec par exemple la mise en place d'outils informatiques spécifiques. C'est le prix spécial CCI. Je vous invite à applaudir ces trois entreprises nommées, s'il vous plaît. Wallaby à Albi, La Fabrique & Co à Carmaux, Get Electronique à Castres. Monsieur le Président, d'une manière très protocolaire et très sérieuse, il vous revient l'honneur, le plaisir d'ouvrir cette enveloppe et de nous annoncer le nom du lauréat de cette catégorie, la première de la soirée. Alors, trois entreprises qui sont quand même assez extraordinaires. Il faut en choisir une. Celle qui a été choisie, c'est la société Jet Electronique. Jet Electronique. Et nous accueillons sur scène ce soir Michel Lambert, président délégué de cette entreprise qui est récompensée. Le prix de la CCI du Tarn. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. C'est un grand honneur pour Michel nous. Michel Lambert, président délégué. J'ai une première question parce qu'on a entendu Get Electronique, on a entendu G Electronique. Jet Electronique. Alors, Jet Electronique. Voilà. C'est définitif, ce sera comme ça désormais. Ce sera comme ça. Faites-nous partager votre réaction d'abord.
Alors tout d'abord, une grande fierté au nom de l'ensemble des salariés, à la fois de Jet Electronic et de Bridgelec, pour ce prix. Effectivement, par rapport aux thématiques annoncées, on pense être complètement dans la veine. On nomme souvent Jet Electronic et Bridgelec comme étant une structure qu'on qualifie d'éco-socio-responsable. Oui. Alors, comme on le disait tout à l'heure, c'est un petit peu dans l'air du temps aujourd'hui avec le RSE, mais Bridgelec, c'est plus de 5 ans d'existence aujourd'hui. Jet Electronic, plus de 30 années d'expérience dans le domaine de l'électronique. Et sur le périmètre éco, on a un pouvoir chez Jet qui est de prolonger la durée de vie. Oui. Vous nagez à contre-courant par rapport à l'obsolescence programmée. Tout à fait. Et on prolonge la durée de vie. Alors, je vais finir ma phrase quand même. C'est des systèmes électroniques de nos clients. Hein. On ne va pas au-delà, mais c'est déjà beaucoup. Et face aux difficultés liées aux économies d'énergie, visant à préserver la planète, on propose des solutions qui vont permettre à nos clients d'utiliser leur système sur de longues durées de temps. On parle de 40-50 ans. Et donc, basé à Castres, si vous avez des problèmes, des difficultés d'obsolescence, des problématiques de pérennisation, on est tout à fait à votre disposition pour vous présenter nos compétences et nos savoir-faire sur Castres. Est-ce qu'on peut ouvrir un chapitre sur Bridgelec? C'est une société adaptée avec un pourcentage de personnes handicapées. Je crois que c'est 60%, c'est oui, ça? Oui, tout à fait. Bridgelec, donc, c'est une petite équipe d'une quinzaine de personnes avec plus de 60% de personnel en situation de handicap qui travaille sur du câblage, donc du faisceau, des sous-ensembles câblés et qui contribue donc au maintien et au soutien de nos systèmes. Félicitations. Vous êtes le premier lauréat de cette soirée. Vous allez maintenant recevoir votre trophée. Vous allez tous les deux vous avancer au milieu de la scène pour être dans la lumière, pour la photo. Avancez-vous tous les deux, voilà, ici, à ce niveau-là. Voilà, ce sera parfait. La remise du trophée maintenant. Et il y aura une remise de coffret également grâce à Saveur du Tarn. Chiara, qui est notre hôtesse, va dans quelques instants remettre à Michel Lambert ce coffret. Alors, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Tarn remet à Michel Lambert. Félicitations à vous. Jet Electronic. C'est un bel exemple. Un grand merci et au nom pour toute l'équipe, donc Jet Electronic et Bridgelec. Merci. Félicitations. Voilà votre coffret Saveur du Tarn. Merci beaucoup à tous les deux. Je garde les enveloppes, merci beaucoup. Et vous pourrez rendre vos micros en sortie de scène. Merci, Président, bravo, Michel Lambert. Mesdames et messieurs, voici la deuxième catégorie, le deuxième prix de cette soirée. Il s'agit donc du prix Commerce, Artisanat et Territoire. Et le partenaire de cette catégorie qui met en lumière de nouvelles activités sur le territoire, c'est l'agence. Et son directeur départemental nous retrouve sur scène maintenant pendant que nous regardons quelques images de présentation de l'agence, précisément. Bonjour, bienvenue à l'agence. Merci de nous recevoir. On n'est pas là pour vous vendre du rêve. Mais pour que votre com soit efficace. Ici, nous maîtrisons toute la chaîne de valeur et vous proposons un accompagnement de la conception à la diffuse. On n'est pas là pour enfiler des perles. Mais pour dérouler des stratégies de communication pertinentes. Proximité, authenticité, efficacité et créativité. Et on n'est pas là pour brasser du vent. Mais pour donner un nouveau souffle à votre marque. L'agence. Merci d'être avec nous, Laurent Marlinge, directeur départemental du Tarn. Et vous êtes le parrain de ce prix. Comment l'agence participe-t-elle à la dynamique commerciale de ce département en dehors des Septuors? Alors, l'agence est... Oui, il est allumé, ne vous inquiétez pas, on va l'allumer. Alors, c'est le micro numéro 1. Ça devrait fonctionner. Donc, comme
Je vais vous prêter mon micro. Voilà, comme l'explique très brillamment la vidéo qu'on vient de diffuser, nous sommes une agence de communication 360, à savoir que nous sommes en capacité de proposer toutes les solutions à nos annonceurs. Donc concrètement, sur le Tarn, nous avons 350 clients qui sont très variés, qui vont d'un petit magasin de centre-ville jusqu'à des entreprises plus importantes, à des collectivités. On travaille par exemple avec le campus Fond-Labour, entre autres, et donc nous participons à la vie économique comme une agence de proximité. J'ai vu tout à l'heure que dans la vidéo qu'a présenté le président Bossi, il parlait de proximité. Ben voilà, nous sommes une agence de proximité auprès de nos clients. Nous savons tous que aujourd'hui le digital prend une place incontestablement de plus en plus importante, et pourtant la notoriété, l'image, la proximité sont des valeurs absolument fondamentales. Quel est votre regard sur ce phénomène, et qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre pour valoriser les marques auprès des consommateurs aujourd'hui? Oui, donc votre analyse est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'en effet, aujourd'hui, le parcours du consommateur démarre par le web, pratiquement dans tous les domaines, hein, pour tout le monde, toutes générations confondues. En revanche, ce qui reste important, c'est d'émerger, et ça, on peut le faire quand on a une notoriété, quand on a une marque assise, en particulier quand on est sur un secteur géographique avec une zone de chalandise réduite, comme c'est le cas pour la plupart des entreprises françaises, puisqu'on sait que 80% de la clientèle est à 20 km du commerce en question. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver des solutions en écoutant nos clients, en comprenant quels sont leurs clients à eux. On essaye de trouver des solutions qui permettent justement de dynamiser leur notoriété, d'améliorer leur notoriété. Donc ça passe beaucoup par l'écoute et beaucoup par les solutions qu'on leur propose. Écoute et analyse chirurgicale, ultra personnalisée. Alors les entreprises nommées dans la catégorie dont vous êtes le parrain sont... Elsewhere est une marque de mode créée à Albi par des passionnés de vieilles bécanes. Ludovic Brenz et Frédéric Vergne proposent des habits cool issus de talons locaux. Leurs sweats, t-shirts et polos sont fabriqués par un albigeois ayant sa production au Portugal. Les chemises sont, elles, produites en Espagne par le biais d'un autre albigeois. La maroquinerie est faite dans le Tarn, tout comme la construction des collections. L'entreprise est également attachée à la participation caritative et collabore à des événements culturels. Life Tarn est une boutique créée par Christophe Kous qui a le Tarn dans ses veines. L'enseigne installée à Castres, à la place avec le mobilier vintage de l'ancienne pharmacie Fabre, recèle de vêtements, gadgets et décorations tout genre à l'effigie du département. Toutes les dernières nouveautés se retrouvent également sur la boutique en ligne créée en début d'année. Les collections hommes, femmes, enfants, comme celles des arts de la cuisine, sont déclinées au gré de la saison ou de l'actualité. Le jardin du Rudel est une jardinerie urbaine et créative fondée en 1951 à Albi. L'univers de la décoration de maison et du jardin y est bien représenté avec un large choix d'objets et de plantes. L'entreprise familiale structure son activité en trois, le design floral, végétal et d'événements. La gérante, Cécile Rességuier, développe également des ateliers au thème inspiré du monde végétal. Elle s'associe chaque année au festival Pose Guitare et à la scène nationale pour le fleurissement des loges. Commerce, artisanat et territoire, nous applaudissons les trois entreprises nommées. Le Jardin du Rudel à Albi, SAS Elsewhere à Albi également et Life Tarn à Castres. Monsieur Marlinge, vous avez l'enveloppe entre les mains et nous allons découvrir maintenant le nom du lauréat de cette catégorie. Donc le lauréat est le Jardin du Rudel. Le Jardin du Rudel à Albi, Cécile Rességuier. Devrait nous rejoindre sur scène, je l'aperçois, les Jardins du Rudel, lauréats de cette catégorie, pour une entreprise familiale qui a été fondée en 1951. Et quel chemin parcouru ! Les
pas parcouru toute seule. Hein. Bonsoir. Qu'est-ce que vous disiez en montant ? J'ai pas parcouru le chemin toute seule. Ah, c'est je comprends. Une partie de votre équipe vous retrouve ? Expliquez-nous. Ah ben d'accord, on va rendre du monde sur la scène. Expliquez-nous, Cécile. On va rentrer largement sur la scène. Oui, alors on est une entreprise albigeoise que mes parents ont créée en 1951, à l'époque où le maraîchage était dans la ville. Et petit à petit, l'entreprise s'est transformée en une entreprise d'horticulture. On cultive, on produit et on vend sur place, dans le quartier de la Maladrerie, dans un endroit où chacun de nous met à cœur tous les jours de bien accueillir les clients, de les accueillir le plus convivialement possible pour que notre entreprise ait un autre attrait que les énormes grandes surfaces qui entourent la périphérie de notre ville. On essaye d'accueillir différemment. L'offre que vous proposez se renouvelle sans cesse. Comment faites-vous ? Alors oui, on s'adapte. Oui. On s'adapte au changement climatique. On s'adapte à la façon différente de consommer. Le Covid a été pour nous une épreuve, mais aussi une remise en question. On a changé nos façons de faire. On est une toute petite entreprise, donc on s'adapte très vite. On a un site internet qui fonctionne bien grâce à un partenaire albigeois qui est dans la salle. Merci New Story. Et puis voilà, on avance avec tout le dynamisme et l'enthousiasme d'une jeune équipe. Vous avancez en vous adaptant. C'est ça. C'est le résumé de votre intervention. Le 1er décembre, vous allez présenter lors d'une soirée de lancement, m'a-t-on dit, les collections de Noël. Oui. Donnez-nous un petit avant-goût. Un peu. Ah non, il faut venir voir. Juste un peu. Non, mais juste un peu pour nous donner envie. Alors, l'envie d'avoir envie. Il y aura du vin chaud. Du vin chaud. Ah, vous connaissez les arguments qui touchent. Il y aura des crêpes et des gaufres. Il y aura même des bretzels. Et puis pour le reste, il faut venir voir parce que c'est la magie qui s'installe dans notre serre. Et on prépare ça avec beaucoup de goût, enfin on espère en tout cas, et de passion qui nous anime tous les jours. Voilà. C'est très sympathique d'être monté sur la scène avec votre équipe. Merci. La remise du trophée maintenant pour vous et pour votre équipe, Cécile Rességuier, le jardin du Rudel à Albi. Merci. Vous allez vous avancer un tout petit peu à ce niveau pour être dans la lumière, car vous le méritez. Je pense que ce serait une bonne idée que votre équipe vous entoure. Alors, vous allez entourer Cécile Rességuier, s'il vous plaît. Voilà. Et la remise officielle du trophée par Laurent Marlinge, directeur départemental de l'agence, pour ce deuxième trophée de la soirée, le jardin du Rudel à Albi. Cécile, vous allez recevoir également ce magnifique coffret qui contient tout ce que le Tarn nous réserve de meilleur en termes de gastronomie, que vous allez, je l'imagine, partager. J'allais le dire, nous partageons ça. Il va y avoir un petit brunch demain matin, je pense. Super. Merci beaucoup. Merci, bravo, le Jardin du Rudel. Merci, Laurent Marlinge, directeur départemental de l'agence. Nous voici partis en direction de la troisième catégorie. Alors, il s'agit du prix Industrie. Le Tarn regorge de talents et de savoir-faire dans l'industrie. Et pour les mettre en valeur, j'appelle maintenant Laurent Fabre. Il est responsable régional de Prévis France. Et le temps de sa montée sur scène, nous découvrons un film de présentation. On a tous besoin d'être protégés. Et avec le temps, on a tous besoin de protéger à son tour ce que l'on aime et de faire le choix de la bonne mutuelle. Prendre soin, c'est humain. Mutuelle Prévis France, vous protéger, c'est naturel. Et c'est donc Laurent Fabre, responsable commercial Tarn, Aveyron et Lot pour la mutuelle Prévis France. J'ai tout juste ? Oui, tout à fait. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Alors, que ce soit pour les petites entreprises ou les acteurs de l'industrie, il y a un atout auquel vous tenez beaucoup, c'est celui de la proximité.
Oui, tout à fait. Nous sommes partenaires des entreprises d'Occitanie et même de toute la France depuis près de 80 ans. Et d'ailleurs, partenaire de Septor depuis plus de 5 ou 6 ans, sauf erreur de ma part. Et donc, notre leitmotiv, effectivement, c'est la proximité. Nous nous sommes organisés pour satisfaire nos clients. La satisfaction client est au cœur de notre démarche. Et si je devais nous décrire, je dirais que nous sommes des facilitateurs. D'accord. C'est-à-dire que nous prenons en charge la protection sociale de nos clients, de nos entreprises, de façon à ce que les dirigeants finalement se consacrent à leur activité première, c'est-à-dire le développement. Éventuellement, ça a été évoqué, l'affrontement de quelques crises. En clair, nous souhaitons les décharger de la problématique de la protection sociale. Et aussi, un concept qui est tendance aussi, c'est la marque employeur, c'est-à-dire favoriser le fait que par une bonne protection sociale, on peut mettre en valeur aussi son entreprise pour recruter des talents. Il y a aussi une nouveauté, c'est la présence de conseillers spécialisés en gestion de patrimoine. Alors, on aimerait en savoir plus. Qu'est-ce que ça apporte à vos adhérents? Après la protection de santé, après la prévoyance, il manquait à structurer le troisième pilier de la protection sociale, qui est l'épargne. Et pour ce faire, nous avons créé une équipe dédiée à la protection, à la gestion de patrimoine de nos dirigeants et à l'épargne salariale et l'épargne d'entreprise. Et ça, c'est récent, ça a été créé en 2021. D'accord. Voilà. Et les premiers retours sont intéressants, positifs? Et les premiers retours sont très positifs. Effectivement, nous pouvons dire aujourd'hui que nous pouvons gérer l'intégralité de la protection d'un dirigeant et de ses salariés. Bien, alors restez à mes côtés. Nous découvrons et vous découvrez sur l'écran maintenant les entreprises nommées dans la catégorie dont vous êtes le parrain. Implantée à Lacône depuis 1973, l'entreprise Granier, présidée par Jean-Claude Granier, exploite aujourd'hui trois carrières de pierre, notamment du gneiss dans l'Hérault et du calcaire en Aveyron. Les blocs transformés en produits bruts ou finis dans l'usine de Lacône sont ensuite commercialisés via le réseau Granier Diffusion et ses 11 magasins dans le sud de la France, mais aussi via des négoces généralistes, spécialistes et professionnels. L'entreprise propose aussi une large palette de produits à la fois traditionnels et contemporains, allant des revêtements muraux ou de sol aux aménagements pour le jardin ou la voirie. Fondée en 1867 à Albi, la fonderie Gillet est l'une des plus vieilles fonderies de France et du monde. Elle est reprise en 2014 par ses salariés en SCOP sous le nom de Nouvelle Fonderie Gillet Industrie. Spécialisée dans la fabrication de pièces de petite et moyenne série en aluminium, cupro aluminium et bronze, elle peut aussi fournir très rapidement des prototypes à partir de moules imprimés en 3D. Grâce à la présence dans les mêmes locaux du bureau d'études de la fonderie et de l'atelier d'usinage, elle peut accompagner les clients de la conception au produit fini. Le PDG Nicolas Pomarette cherche désormais à diversifier ses activités dans les secteurs ferroviaire, maritime ou l'armement. Divina est une chaudronnerie familiale à Albi dont le savoir-faire lui permet de concevoir des pièces unitaires volumineuses jusqu'à 10 tonnes. Depuis 2015, elle a opéré un nouveau virage passant d'une entreprise artisanale à une entreprise industrielle. Divina travaille exclusivement pour l'industrie dans divers secteurs comme la dépollution, les antennes ou le compostage. Son gérant, Charles Dautridge, accorde beaucoup d'importance aux conditions de travail et à la progression des compétences des salariés. Pour lui, il faut fidéliser les salariés pour consacrer du temps aux clients. Catégorie industrie, je vous propose d'applaudir les trois entreprises nommées, s'il vous plaît. Divina à Albi, Granier, industrie de la pierre à Lacône et la nouvelle fonderie Gillet, industrie à Albi. Petite musique de suspense. Monsieur Laurent Fabre, Prévis France, vous annoncez le nom du lauréat. Donc le gagnant est la nouvelle fonderie Gillet. La nouvelle fonderie Gillet, industrie. Et nous devrions accueillir monsieur Nicolas Pomarède, président directeur général de la nouvelle fonderie Gillet Industrie, qui va venir accompagner sur cette scène
venez, messieurs, recevoir votre prix, le prix industrie de ces Septuors dans le Tarn. Et un trophée remis par Laurent Fabre dans quelques instants. Bonsoir. Bonsoir à tous. Nicolas Pomaret. Merci de nous accueillir. Alors, vous allez nous présenter ces messieurs qui vous accompagnent. Alors, c'est une partie de l'équipe, Patrice qui est mouleur, Alexandre qui est le responsable du secteur usinage, Serge qui est le responsable de la qualité des pièces finies, et les autres qui ne sont pas montés du coup. Ah oui. Voilà, du coup, une partie de l'équipe. Vous pouvez les dénoncer hein, si vous voulez. Oui, ils sont restés assis. Alors, vous êtes récompensés ce soir dans le cadre de ces Septuors pour le caractère innovant de votre diversification. Il faut noter que la fonderie a été créée en 1867. Est-ce 1687. Pardon ? 1687. 1687. 1687. Ah oui, il y a une inversion. 1687. Est-ce que ça veut dire que c'est la plus ancienne de France, ou pas loin, ou oui, du monde, ou pas loin ? La plus ancienne de France, oui, c'est une certitude. Et du monde, c'est, d'après les médias qui ont fait des recherches, dans une des plus anciennes du monde, oui, effectivement. En 2014, il y a eu une étape importante. Oui. La fonderie a été reprise par l'ensemble de ses salariés sous la forme d'une SCOP. Tout à fait. Quel est votre regard aujourd'hui sur ce nouveau modèle Déjà, c'est un pari fou. Oui. Mais disons qu'on n'avait pas le choix. C'était ça ou alors on perdait, aujourd'hui, une petite pépite albigeoise par sa rareté. Aujourd'hui, le travail qui a été fait et la rareté des produits aujourd'hui en France, des sociétés comme les nôtres sont devenues extrêmement rares et donc précieuses. Toutes les fonderies, on le voit à chaque fois, tous les mois, il y a des fonderies. Il y en a une encore, on le sait là-haut, à la Sample qui va fermer aussi. Mmh. Et donc, il faut prendre soin de ces sociétés, que soient les fonderies. D'accord. Voilà. J'évoquais la diversification dans mon propos introductif. Vous travaillez sur de nouveaux secteurs. Alors là, je me lance dans l'inconnu. Vous me corrigerez. Le prochain marché est le contrôle par optique. Oui. Alors, sans rentrer trop dans la technique, qu'est-ce que c'est ? D'accord. Alors déjà, on essaye effectivement de se diversifier. C'était déjà une politique de l'ancienne famille Gillet, d'être déjà dans beaucoup de secteurs. On a accentué cette politique-là pour justement moins souffrir des crises qui font malheureusement, comme vous avez souligné tout à l'heure, notre belle époque. Et donc, ce marché-là, c'est assez marrant parce que c'est le... Vous savez, beaucoup, on a été diffusé sur France 2 au départ, mmh. sur la reprise, et c'est le seul client qui est arrivé grâce à France 2, voilà, qui nous a vus à la télé mmh. et qui a dit il faut qu'on travaille avec. Et d'accord. donc, ces contrôles d'optique, ils ont attendu un petit peu quand même. Voilà, ils nous ont laissé voir si la société allait être pérenne, ce qui est le cas aujourd'hui. Et donc, c'est des contrôleurs, c'est des spectromètres de masse, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Ah oui, là, ça se gâte. Mais voilà. Mais voilà. Et aujourd'hui, c'est un secteur où ça se passe comme ça aujourd'hui. On est devenu tellement rare que les gens viennent nous voir. D'accord. Là, on a fait une première pièce, on l'a validée, on va en faire 5-6 et on va faire même du montage. Voilà. On essaye aussi de diversifier, à amener de la valeur ajoutée sur nos pièces. Félicitations. Merci. Bravo à vous, bravo oui, à toute juste, l'équipe. Juste pour l'équipe, parce bien que sûr. C'est, voilà, je tiens à rajouter, c'est vraiment un gros travail d'équipe. Après, je pense que la plupart des albigeois nous ont suivis, mais ça a été vraiment compliqué. Et c'est vraiment cette force, ce qui a sauvé la fonderie Gillet aujourd'hui, c'est vraiment cette dynamique d'équipe et d'avoir gardé, d'avoir pu faire bloc, même quand ça allait vraiment très très mal. Et voilà, donc c'est vraiment aujourd'hui une récompense vraiment, vraiment d'une équipe. Ça a donné une nouvelle énergie, oui, ça a vraiment un coup de boost, un nouveau départ presque. Oui c'est ça, un nouveau départ. Bravo. Voilà. Merci, bravo. Merci. Avancez-vous, messieurs, avancez-vous au milieu de la scène, dans la lumière. La nouvelle fonderie Gillet Industrie, Nicolas Pomaret, président directeur général, va être récompensé maintenant avec le trophée par Laurent Fabre de Prévis France, qui est le partenaire de cette catégorie. Alors voici le trophée. Il y aura la photographie. Maintenant, regardez devant vous, messieurs, pour la photo, tandis que le coffret Saveur du Tarn va vous être proposé également. Voici... Belle photo de ce trophée Industrie, la nouvelle fonderie Gillet Industrie. Voici le coffret Saveur du Tarn, qui est partenaire de cette soirée. Et bon appétit, messieurs. Merci encore. Merci à tous, bravo. Merci. Voici la quatrième catégorie, quatrième prix de cette soirée. We'll be right back.
Quatrième prix, le prix agroalimentaire et le partenaire de ce trophée, c'est la CCI du Tarn. Son vice-président industrie est avec nous, il nous rejoint. Michel Colombier sur un film de présentation. Quatrième prix de la soirée, le prix agroalimentaire. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Michel Colombier, vice-président industrie de la CCI du Tarn. Que représente aujourd'hui l'industrie agroalimentaire dans ce département ? Est-ce qu'il y a des spécificités, d'ailleurs, à mettre en avant ? Oui, bien sûr. Bonsoir à toutes et à tous. Le secteur de l'agroalimentaire dans le Tarn, et on ne l'identifie pas tout le temps, c'est près de 2400 emplois. Mmh. C'est près de 200 entreprises. Donc c'est un secteur quand même majeur dans notre département. Si on se polarise sur l'aspect emploi, c'est à peu près 15% donc de l'emploi sur le Tarn. Et en nombre d'entreprises, c'est à peu près 6-5%. Donc un vrai sujet. Des spécificités, oui. Mais le département du Tarn, notre président Michel Bossy l'a dit, a une diversité qu'on retrouve dans tous les secteurs, y compris de l'agroalimentaire. On a trois grosses thématiques, je dirais. C'est la filière traitement de la viande. Donc c'est pour les gros, essentiellement à destination du gros bétail. Hein, donc filière bovine, le porcin et les ovins. Donc avec l'abattage, le traitement de la viande derrière, la salaison, on retrouve ces secteurs sur le Tarn. Le deuxième secteur, ben, c'est plus en lien avec tout l'aspect volaille, donc volaille palmipède, donc c'est les abattoirs, c'est les traitements derrière avec les conserveries qui sont liées à toute cette filière. Et le troisième, c'est un élément important, c'est le vignoble. Le vignoble, le vin, c'est un sujet dans le Tarn, donc avec deux belles coopératives. Et beaucoup, beaucoup de producteurs privés. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un secteur qui connaît une bonne dynamique malgré les écueils ou je m'emballe un peu là ? Alors, ben non, moi je vais rester dans la dynamique de notre président. Nous, on essaie dans la CCI du Tarn d'impulser du positif. Donc ce secteur, il a souffert. Il ne nous a pas échappé. Pandémie, grippe aviaire. Maintenant, problème énergétique, le contexte n'est pas bon. Et pourtant, ce secteur est résilient. C'est même, je dirais, presque surprenant. Mais c'est un peu l'esprit du Tarn aussi. Le Tarn est résilient. Les entreprises du Tarn sont résilientes. Et on retrouve cette résilience sur ce secteur, qui pourtant n'est pas un secteur facile. Mais ils répondent présents, ils sont imaginatifs, ils s'adaptent. Je crois qu'aujourd'hui, j'en suis vraiment convaincu, on a beaucoup de pépites dans le Tarn. Et quand je les visite au travers, entre autres, les mardis de l'industrie, moi, je suis toujours surpris par cette capacité à rebondir. Moi, ça, c'est du made in Tarn, mais alors, je crois que là, on a une recette, on va se la garder très précieusement. Bien au chaud. Oui, le Tarn, là-dessus, il y a de la résilience, il y a de la capacité au rebond. Donc, voilà. Donc, la réponse est oui à ma question. La réponse, elle est... Alors, moi, je dis oui. D'accord. Oui, soyons positifs, même s'il y a de la souffrance et même s'il y a des difficultés, oui. D'accord. Bien, restez parmi nous. Deux entreprises nommées dans cette catégorie sont... «
Les fermiers occitans sont une filiale d'Arteris. Ils fédèrent une centaine de producteurs, dont une cinquantaine en canard IGP sud-ouest. Ces éleveurs se sont organisés pour défendre leur terroir et l'agriculture familiale. De l'élevage à la fabrication, tout est produit localement. Le site de transformation prévoit de s'agrandir sur la zone d'activité du COS à La Bruguière. L'entreprise est lauréate du programme France Relance au titre de l'appel à projet modernisation des abattoirs. Un programme d'investissement permettra à ce titre l'intégration de nouvelles productions. L'entreprise Albi Foie Gras, avec l'atelier de la conserverie Pierre Lascrou, élabore des produits de qualité labellisés Sud-Ouest. Sophie Lascrou souhaite travailler de façon traditionnelle à partir de produits frais. Foie gras de canard, magret, aiguillette ou cuisse confite sont disponibles au magasin d'usine, mais aussi en boutique à Castres et Albi. Mais Albi Foie Gras a également été l'une des premières enseignes à vendre les produits frais sur Internet. La boutique en ligne existe depuis 2014 et génère le même chiffre d'affaires qu'un magasin physique. Le prix agroalimentaire, nous applaudissons ces deux entreprises nommées, s'il vous plaît, Albi Foie Gras et les fermiers occitans à La Bruguière. Voilà les deux entreprises nommées. Attention, petite musique. Laissez traîner un peu le suspense, là. Ouais. Comme à la télévision. Il faut déguster dans la, oui, dans la gros. On pourrait presque faire une coupure de pub, là, maintenant, voilà. Mais non, non, non. Le lauréat de cette catégorie est... Les fermiers occitans. Les fermiers occitans de La Bruguière. Alors nous allons accueillir Pauline Chabert, responsable marketing, accompagnée également, qui représente Jean-François Naudy, le président, et Christophe Reclus, le directeur général. Les fermiers occitans de La Bruguière. Le prix agroalimentaire pour ce soir. Merci. Bonsoir. Alors c'est une tendance, vous monterez en équipe ce soir, oui. Ce que je vois d'un très bon œil personnellement. Vous êtes Pauline ? Tout à fait. Bien, je vous laisse vous présenter. Ben, du coup, je suis venue accompagnée donc, de mes collègues qui, eux, sont en charge de la partie production. Donc on travaille tous les trois sur le site des fermiers occitans à La Bruyère. Comme la petite vidéo l'a indiqué, c'est une filière de Arteris qui est une coopérative agricole. Et donc nous, on s'attache à mettre en avant, ça a été évoqué plusieurs fois ce soir, mais des filières, notamment celle du palmipède, mais aussi, vu le contexte, on développe on cherche des solutions et on développe notamment la partie poulet et aussi lapin. D'accord. La question la plus importante de la soirée, est-ce qu'on aura du foie gras à Noël ? Alors, oui, on en aura. Il y a un mais qui arrive. Il y en aura probablement moins en frais que les autres années. Donc le petit conseil à vous donner, c'est d'aller faire vos courses d'ores et déjà, de privilégier les conserves pour en avoir un petit peu en avance. Et sur la partie frais, ben, il faudra être réactif. On est tous un petit peu dans l'incertitude, hein, comme nos collègues aujourd'hui. C'est un contexte un petit peu particulier, mais on essaye de s'adapter et de garder la positive attitude. Est-ce que c'est votre entreprise qui est lauréate du programme France Relance ? Oui, tout à fait. Ah, très bien. Oui. Au titre de l'appel à projet modernisation des abattoirs, c'est bien ça ? Et qui a lancé depuis le début de l'année, vous avez lancé un nouveau programme d'investissement qui va permettre l'intégration de nouvelles productions. On peut développer sur cet investissement majeur ? Oui, alors je vais vous laisser, je vais laisser la parole à mon collègue qui est quand même plus calé que moi sur ce sujet. Ça s'appelle la patate chaude. C'est ça. Allez-y, mais avançons-nous un petit peu. Voilà. Non, ça s'appelle une ouverture en terre de rugby. Oui, c'est vrai. Monsieur a des références très sportives. Non. Si, on aime notre territoire, on aime forcément nos équipes et particulièrement notre CO. Très bien. Je crois qu'il y aura le trophée du rugby amateur organisé dans quelques semaines d'ailleurs à Grouillet, si ma mémoire est bonne. Si vous avez retenu la question qui vous a été posée il y a 10 minutes, vous êtes très fort, mais vous pouvez essayer d'y répondre. Oui, tout simplement, depuis le début de l'année, nous avons intégré une activité qui est la transformation des poulets. D'accord. Poulets pintades, ça a été fait grâce à la modernisation de l'abattoir, puisque cette chaîne de production intègre en partie la chaîne existante du canard, d'accord, des palmipèdes, donc c'était quand même un défi plutôt important au point de vue technologique. Maintenant on est, je dirais pas qu'on est au point complètement, mais on avance
on avance plutôt bien. D'accord. Est-ce que vous avez des projets sous le coude dont vous pouvez peut-être pas trop parler, mais un petit peu quand même, des idées, des envies, des initiatives qui se préparent ? Non, rien de très spécial à vous annoncer ce soir, si ce n'est qu'effectivement, le contexte de grippe aviaire étant récurrent, on a parlé aussi ce soir de résilience et de capacité à se projeter. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, on essaye d'envisager ça comme quelque chose qui va probablement faire partie de notre quotidien et d'essayer d'aller chercher de nouvelles filières. Donc ce n'est pas toujours évident, vu les outils industriels, on ne peut pas les transformer comme ça du jour au lendemain. Mais voilà, on essaye de se diversifier. Et puis, quand on aura trouvé la solution, on reviendra pour un autre trophée. Eh bien, on prend rendez-vous si vous voulez. Ça marche. Très bien. Allez, la remise du trophée. Vous voulez rajouter quelque chose ? Non, que c'est bien dans l'esprit de ce qu'on évoquait. Voilà. Ouais. Je crois que vous avez un beau résumé. Oui, oui, c'est une illustration parfaite de ce que nous disions précédemment. Tout à fait. C'est vrai. Alors, voici le trophée qui vous est remis maintenant par Michel Colombier, vice-président de la CCI du Tarn, à Pauline Chabert et à son équipe, autour d'elle, les fermiers occitans, récompensés ce soir par ce trophée, par les applaudissements et par le coffret Les Saveurs du Tarn que voici. Voilà. Récompense amplement méritée. Bravo pour ce que vous faites. Merci. Vous allez vous placer face aux appareils photo, monsieur le vice-président. Voilà, c'est parfait. Un joli sourire pour ce prix reçu ce soir dans le cadre des Septuors du Tarn pour les fermiers occitans. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci, monsieur le vice-président. Nous enchaînons directement sur la cinquième catégorie, le cinquième prix de cette soirée. C'est donc le prix international. Bien sûr, le potentiel de l'export est toujours très présent pour les entreprises. Et pour parrainer cette catégorie, j'invite sur scène David Julliard du Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées, accompagné par quelques images de présentation. You are the one for me. Soutenir notre territoire, c'est donner de l'énergie à l'avenir des femmes et des hommes qui y vivent et y entreprennent. En 2020, nous avons financé 3,3 milliards d'euros pour soutenir leurs projets et donner de la force à l'avenir. Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées, notre territoire, votre avenir. David Julliard, directeur des entreprises, des collectivités publiques et de l'international. Merci d'être présent et d'être parrain de cette catégorie. Alors vous permettez aux entreprises du territoire de se développer à l'international. Quels sont les leviers que vous actionnez pour les aider en ce sens ? Tout d'abord, il y a l'équipe. On a une équipe d'une vingtaine de personnes. Alors, je surnomme les top women, là, parce que c'est une équipe essentiellement féminine, qui effectivement intervient dès le départ, en fin de compte, lorsqu'une entreprise souhaite à l'idée d'exporter, jusqu'au moment où il faut, où on exporte, où on importe, et mettre tous les produits qui permettent de sécuriser, en fin de compte, en place l'exportation ou l'importation, parce qu'il faut toujours l'avoir en tête. On a des entreprises, on l'a vu et aujourd'hui, hein, qui ont un super savoir-faire et qui ont toute leur place à l'export ou parfois ont besoin également d'importer. Ça reste quand même une activité risquée. Donc c'est la raison pour laquelle les banques, et notamment le Crédit Agricole, est là effectivement pour amenuiser le risque. On va découvrir ensemble les trois entreprises nommées dans cette catégorie. Les voici. Implantée à Lacône depuis 1973, l'entreprise Granier, présidée par Jean-Claude Granier, exploite aujourd'hui trois carrières de pierre, notamment du gneiss dans l'Hérault et du calcaire en Aveyron. Les blocs transformés en produits bruts ou finis dans l'usine de Lacône sont ensuite commercialisés via le réseau Granier Diffusion et ses 11 magasins dans le sud de la France, mais aussi via des négoces généralistes, spécialistes et professionnels. L'entreprise propose aussi une large palette de produits à la fois traditionnels et contemporains, allant des revêtements muraux ou de sol aux aménagements pour le jardin ou la voirie. Thank you.
L'entreprise André Riard exporte des cuirs made in France depuis 86 ans dans plus de 30 pays. Implantée à Groyer, la société dirigée par Antoine Colombier produit des cuirs finis d'agneau ou de chèvre, mais également à partir d'extraits végétaux. Elle confectionne des articles pour le prêt-à-porter, la maroquinerie ou la chaussure. Elle pratique un tannage éco-responsable et le surcyclage de matières non utilisées. L'entreprise poursuit son développement en intégrant désormais les savoir-faire de Technochem France, spécialisée dans les produits chimiques pour le cuir. SGP Production est spécialisée dans la mode marine depuis 2001 avec sa marque commerciale Hublot. L'entreprise basée à La Bruguière est en plein développement. Outre ses 18 magasins en nom propre déployés en France, elle est devenue le premier fabricant européen de ciré avec 500 000 pièces par an. Son directeur, José Martinez, a en plus créé un bureau de stylistes français pour insuffler à la collection une dimension différente et internationale. L'export a démarré avec l'Espagne, le Portugal et la Belgique. Une dizaine de pays se sont ensuite rajoutés, dont les États-Unis. Je vous invite à applaudir ces trois entreprises nommées dans cette catégorie internationale. Monsieur Julliard, je vous laisse nous annoncer le nom de l'entreprise lauréate. J'en suis très heureux. Hein. C'est une entreprise qu'on connaît un petit peu et qui, je dirais, qui a des racines et des ailes et qui a aussi une vision très avancée aussi de la transition de la transition énergétique notamment. Donc le lauréat et la SS André Riard de Groyer, venez nous retrouver, les représentants de cette société SS André Riard Groyer, lauréat de la catégorie internationale. Bonsoir, venez nous retrouver. Je pense qu'il y a André Riard, le fondateur, sans doute accompagné de Corinne Rouffi. Tout va bien. Alors, vous allez nous retrouver, nous allons échanger quelques instants avant de vous remettre ce trophée, ce coffret, puis les quatre derniers prix de cette soirée, avant de la poursuivre tout à l'heure avec une réunion de networking. On en parlera après une photo générale qui sera organisée en fin de cérémonie avec tous les lauréats et tous leurs partenaires. C'est un peu long hein, pour venir. Ils sont en train d'ouvrir le coffret de Saveur du Tarn. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Félicitations. Très heureux. Faites-nous partager votre réaction. Monsieur André Riard, le fondateur. Oui, je suis agréablement surpris d'avoir gagné. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours excessivement plaisir. Surtout que bon, j'ai créé cette société il y a en 1970, il y a plus de 50 ans. 52 ans, oui. Donc au départ, on en travaillait en courtage. Et par la suite, j'ai beaucoup exploité en faisant des salons internationaux. Et j'ai démarré surtout mon entreprise avec une clientèle à Hong Kong qui m'a permis de vendre les produits fabriqués par les tanneurs Mazamétha et Groyer-Toi. Et j'ai développé, une fois que j'ai eu une clientèle qui s'est faite assez dense, j'ai développé en faisant tous les ans des salons dans le monde. J'étais organisé avec la Fédération française de la tannerie et magisterie à Paris et j'ai fait des salons partout. Je faisais 9 salons par an. J'exposais à Moscou, j'exposais à Tokyo, j'exposais à Villepinte à Paris, j'exposais en Italie, j'exposais à Pirmasens au Danemark, en Espagne à Barcelone, à New York, à Miami. Quelle trajectoire ! Je faisais le tour du monde tous les ans. Et j'ai fait ça pendant pratiquement 35 ans. Vous êtes en repos aujourd'hui. Et là, je suis à la retraite depuis 10 ans. Je n'ai pas eu de succession familiale qui a repris l'entreprise. Et je connaissais Antoine Colombier qui a racheté l'entreprise. D'accord. Il y a 10 ans et qui est un excellent ingénieur de l'école de tannerie de Lyon qui a rajouté, si vous voulez, parce que également cette entreprise, en plus du cuir, j'avais l'exclusivité sur la France de la vente des tanins végétaux, d'accord, le quebracho d'Argentine, Mimosa Afrique du Sud, et également de produits chimiques de la Silva Chimica d'Italie. D'accord. Et Antoine, qui est ingénieur, il a pu développer tout ça, plus le cuir qu'il a continué. Donc je pense que c'est une société... Enfin, moi, ça fait 10 ans que je n'y suis plus, mais je n'entends parler qu'en bien. Bon, en tout cas, on a fait le tour du monde là, avec vous en 5 minutes. Oui.
Et moi, j'ai arrêté parce que j'étais trop fatigué à la fin. Les décalages horaires et tout ça, au bout d'un moment, ça suffit. Alors, on sait que grouiller est fief du cuir. Oui, oui. La notion de made in Tarn, la pâte du Tarn, est-ce que vous l'avez... est-ce que vous l'avez ressenti et éventuellement vu évoluer? C'est-à-dire qu'au départ, le cuir, c'est parti de Mazamet avec les déneiges. Au 19e siècle, Mazamet était la capitale mondiale du déneige. Toutes les laines venant d'Australie et se faisaient traiter à Mazamet. Donc on délainait, pourquoi? À Mazamet, parce qu'on disait que la qualité de l'eau mazamétale facilitait le fait que la laine s'enlève de la peau sans altérer la peau. Voilà le démarrage. Le démarrage a fait après qu'il y a eu des tannages qui ont été faits, surtout des tannages végétaux, il y en a eu d'autres. Et on a orienté les peaux. Au départ, c'était pour de la chaussure, dessus ou doublure. Et par la suite, la technologie aidant, cela a permis, si vous voulez, d'orienter les peaux vers le vêtement, vers la maroquinerie. Donc il y a eu beaucoup d'autres choses qui ont été réalisées, quoi. Voilà. Merci pour ce cours. Très intéressant, très passionnant. Vous le vivez encore. C'est un bonheur pour moi d'être parmi vous ce soir. Oui, vous le vivez encore, vous l'avez dans les tripes. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Corinne Rouffi? Mais c'est pas obligatoire. Voilà, bon, Monsieur Colombier n'a pas pu être là ce soir. Président directeur général. Voilà, et donc il aurait beaucoup apprécié ce prix qui récompense quand même. 10 années de travail, à l'international, lié avec des stylistes, des maisons de mode qui, j'espère, grâce à son travail, on participe à leur aventure et c'est une grande chose, quoi. Vraiment beaucoup, beaucoup de contentement. Monsieur Julliard, vous disiez tout à l'heure, vous les connaissez un peu. Ça veut dire quoi? Les banquiers sont toujours bien renseignés. Je crois qu'il est à l'étranger, en fait, aujourd'hui. Alors là, il est en Belgique, en ce moment. Voilà. Vous les connaissez un peu? Vous avez suivi C'est une entreprise qu'on accompagne depuis fort longtemps. Et effectivement, on gère ce qu'on appelle l'international aussi avec l'entreprise. Et tous les pays que vous avez cités, je crois qu'on les avait à peu près avec vous également, effectivement. Oui. Bien. On a 30 000 collaborateurs à l'étranger également, c'est peu su. On le sait peu, donc on a pu accompagner effectivement nos clients du Tarn. Et j'insiste vraiment là-dessus, on a des savoir-faire dans ce département. Le sujet, ce n'est pas le savoir-faire, c'est le faire savoir. Et on a des coûts finalement de production maintenant avec le dollar qui est relativement... puissant par rapport à l'euro, qui nous permet, bon an mal an quand même, de rester compétitif en fin de compte à l'international. Donc il faut le savoir, il faut le répéter. Quand on a un peu le marché français qui se contracte, il y a d'autres marchés qu'il faut aller conquérir. D'accord. Il faut dire aussi qu'on travaillait surtout par l'aide de crédit. Donc si on n'avait pas eu des gens aussi performants que vous l'êtes, cher monsieur, on aurait eu peut-être des difficultés de paiement. Bon, on va vous laisser. Je crois qu'on va vous laisser. Bon, ça va. Allez, vous allez vous avancer, s'il vous plaît, tous les trois. Excusez-moi. Au devant de la scène. Remise du trophée, maintenant, pour la SAS André Hiriard, installée à Grouillé, avec André Hiriard, le fondateur, Corinne Rouffi, et David Julliard du Crédit Agricole. Voici, très officiellement, la remise du trophée des Septuors du Tarn pour cette année 2022. Et bien entendu, le coffret saveur du Tarn que voici pour vous deux. Félicitations pour votre parcours et pour l'activité de votre entreprise encore aujourd'hui. Bravo, merci beaucoup. Félicitations, merci. Voici le sixième prix de cette soirée. Alors, comme son nom l'indique, cette catégorie met en avant des porteurs de nouvelles idées et de projets innovants au service du territoire. Et le partenaire de cette catégorie, c'est ACOM, dont le directeur associé est déjà derrière moi, je l'ai entendu. Nous regardons un film de présentation avant de vous laisser la parole. ACOM, c'est 120 agences, 1500 collaborateurs, ainsi que 30 000 clients répartis dans le Grand Sud. C'est le plus grand cabinet indépendant Sud de France.
ACOM, cabinet d'expertise comptable et d'audit, vous accompagne aussi dans la transmission, la gestion patrimoniale, le financement de vos besoins, le crédit management et bien sûr dans la transition numérique de votre comptabilité. ACOM s'efforce d'offrir à ses collaborateurs toutes les chances de s'épanouir dans leur mission afin de pouvoir conseiller leurs clients au mieux dans la gestion quotidienne de leur entreprise. Le monde change et se numérise. ACOM vous permet d'évoluer avec lui. ACOM et Thierry Durand, directeur associé. Bonsoir. Bonsoir à tous. Rapprochez-vous, je vous en prie. Voilà. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci d'être partenaire. En quoi est-ce important pour vous de valoriser les chefs d'entreprise et donc de vous associer finalement à cette cérémonie? Alors, vous me dites merci, mais moi je le dis chaque année, merci de nous permettre d'être là. Parce qu'en fait, notre vocation à nous, c'est d'accompagner tous ces dirigeants. Et ils n'avancent pas qu'à travers des crises non plus. Nous, on les accompagne dans l'évolution, hein, de la création à la transmission de l'entreprise. Et notre volonté, parce que la taille d'un cabinet ne sert que si elle est utile à son petit client, c'est d'avoir une offre de service qui permet de faire ce qu'on a vu dans le petit film, du crédit management, de l'accompagnement à la gestion patrimoniale. Et surtout, on le dit un peu sur le message de la fin en ce moment, c'est la prochaine évolution, c'est la digitalisation, la facture électronique. Il faut que nous, on ait cette envie, ces moyens d'accompagner ces petits clients, ces PME, dans leur transition numérique. Comment une structure comme la vôtre peut être encore plus vigilante qu'elle ne l'est aujourd'hui à l'accompagnement et pour aider à la décision? Alors, on a parlé beaucoup de proximité, mais nous, ça fait partie de nos valeurs, proximité et innovation. Ça fait partie de deux de nos valeurs. Donc, ça veut dire qu'il faut que nous, on ait la veille pour nos clients en amont. Oui, bien sûr. Ça veut dire qu'on a des équipes dédiées à ça. C'est-à-dire qu'on se forme beaucoup aussi, avec des équipes d'informaticiens, bien sûr. Et puis, on parlait de proximité. ACOM, dans le Tarn, on ne le dit pas, mais c'est 7 agences, oui. C'est 1500 clients. Donc, on a un peu aussi cette légitimité de veille un peu, de besoin sur notre territoire. Ouais, maillage sur le territoire. On peut pas être efficace si on est trop loin de ses clients, et surtout, si on ne connaît pas leur environnement, si on ne connaît pas leur banquier, leur réseau. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est notre force. Et c'est pour ça qu'on veut être absolument là. Bien. Thierry Durand, mesdames et messieurs, nous découvrons, si vous êtes d'accord, les 3 entreprises nommées dans cette catégorie. La Fabrique & Co est un atelier de confection d'articles textiles basé à Carmaux, lancé pour fabriquer des masques en coton bio durant la crise sanitaire. Le projet s'est diversifié sous la houlette de Damien et Adeline Miralles, ainsi que de Christiane Blanc. L'atelier produit des accessoires de soins et beauté sous la marque Maison Coquelicot et des vêtements haut de gamme pour des créatrices françaises. Il répare également des gilets de guerre d'entraînement pour Thalès. La Fabrique & Co défend l'éco-responsabilité dans la confection textile ainsi que le 100% Made in France. Elle exporte désormais en Belgique, au Japon et bientôt en Australie. L'entreprise Noix d'Arec est spécialisée dans la maroquinerie, bagages et accessoires. Elle est passée en 30 ans d'une boutique du centre-ville de Castres à un réseau de 10 boutiques dans le Tarn, la Haute-Garonne et bientôt une nouvelle à Toulouse. Elle a été fondée par Yves Reberga, tanneur de métier, puis reprise par sa fille Christelle Haise en 2004. Profitant d'un savoir-faire local, elle travaille à moderniser la maroquinerie, notamment sur le plan du merchandising. Elle s'est lancée dans le commerce en ligne et met en lumière les produits Made in France à forte valeur ajoutée pour des clients du monde entier. À Dourgne, Consola Menuiserie est spécialisée dans la fabrication de menuiserie extérieure et intérieure. L'entreprise, reprise par 3 anciens salariés, perpétue un savoir-faire local avec du bois local, le châtaignier d'Occitanie. Rémi Bernadet, Christophe Donzé et Damien Balsamo proposent escaliers, portes, fenêtres et enveloppes de bâtiments en bois. De lourds investissements ont permis de pérenniser l'entreprise tout en se spécialisant dans la menuiserie sur mesure pour le marché de la rénovation et de la copie d'anciens en lien avec les bâtiments de France. Catégorie entrepreneur, ces 3 entreprises méritent également vos applaudissements, s'il vous plaît. Noix d'Arec à Albi, Consola Menuiserie à Dournier, La Fabrique & Co à Carmaux. Attention, monsieur Durand, il vous revient la charge, la responsabilité, mais aussi l'honneur et le plaisir, je l'espère, de nous annoncer le nom de l'entreprise lauréate. C'est ça, et en plus, on va forcément récompenser un entrepreneur dynamique
En l'occurrence, c'est une entrepreneuse. Le lauréat, c'est Noix d'Arec. Noix d'Arec. Et on accueille Christelle Hez, la gérante, dont on a entendu quelques informations sur son initiative et son parcours lors du film de présentation. Noix d'Arec, la maroquinerie qui voit les choses en grand, à Albi notamment, mais pas que. Et nous accueillons Christelle Hez, qui vient accompagner sur cette scène, dans le cadre de ce prix, entrepreneur ce soir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, je vous laisse vous installer. Il faudra prévoir des grandes scènes là, pour l'an prochain, parce que j'ai l'impression que tout le monde va venir en masse. Mais je trouve ça très bien, personnellement. Je trouve ça très bien. Bonsoir, Christelle Hez. Bonsoir, monsieur. Oh non. Madame, alors. Comment vous percevez ce prix que vous recevez aujourd'hui ? Après, on parlera de votre parcours un petit peu. Mais avec beaucoup de fierté, évidemment. C'est vrai que les entrepreneurs, on est toujours la tête dans le guidon, à essayer d'avancer, d'innover, de garder espoir, de trouver des bonnes idées. Et c'est vrai que de temps en temps, s'arrêter un peu et puis essayer de voir le travail accompli, c'est bien. Voilà. Est-ce que vous voulez nous présenter une partie de oui, votre équipe ? Oui, une partie, évidemment. Alors, une équipe exclusivement féminine. Ah bon ? Oui, c'est, voilà. C'est pour quelle raison ? Je ne sais pas. Parce que c'est pas un choix. Elles se sentent à l'aise dans les sacs à main, je ne sais rien. Ça doit oui, il y a peut-être un lien. Voilà. Réflexion faite, il y a peut-être un lien. Voilà. Séverine, Zaya et Elodie, qui sont à Castres et Albi. Évidemment, il y a une équipe à Montauban, et puisque c'est Tarn-et-Garonne. Et donc, nous allons ouvrir une boutique en Haute-Garonne, comme vous l'avez dit, à Blagnac. Bon, les Toulousains à Castres, on ne les aime pas trop au stade, hein, mais on les aime bien dans nos magasins. Donc, on a décidé d'aller à Toulouse. Voilà. Ça, ça s'est fait. Voilà. Ça s'est fait. On est en terre conquise ici. Oui, ça oui, va, oui, hein, oui, oui, ouais. Bien entendu. Alors, vous avez repris l'entreprise en 2004. Oui, 2004, c'est ça. C'est ça vous étiez prothésiste dentaire, c'est j'étais ça prothésiste dentaire, voilà. Et là, bam. Toujours le sourire. Oui. Et donc, papa était mégissier. D'ailleurs, bon, c'est marrant qu'il y ait un mégissier juste avant, mais il était mégissier à Mazamé et d'Hélèneur également. Et puis, les entreprises de mégisserie sont devenues ce qu'elles sont devenues. Et donc, il a décidé de continuer dans les sacs à main. Parce que le cuir, le sac à main, voilà, ça faisait sens. Et moi, je suis venue dans l'aventure à partir de 2004, donc développer encore plus ces commerces. Et puis, évidemment, je trouvais ça un peu dommage qu'on puisse, que tous les services qu'on rendait et tout le choix des produits qu'on faisait étaient cantonnés uniquement aux clients de Castres et d'Albi. Donc, on a décidé d'ouvrir un site internet aussi il y a 9 ans pour faire profiter la France et le monde entier de nos conseils et de notre choix. Voilà. Vous avez la fibre commerciale parce que je vous parle de vous et vous finissez sur le site internet quand même. Oui. Ça n'a échappé à personne. Vous allez vous rapprocher, vous oui. Et votre équipe, et recevoir le trophée maintenant. Christelle Hez, gérante de Noix d'Arec. Bravo pour la trajectoire de votre entreprise. Bravo pour son développement. Et bravo pour vos sourires. Merci également. Félicitations. Voilà, Thierry Durand de la société Acom vous remet ce trophée et bien entendu le coffret, la petite photo, les applaudissements s'il vous plaît pour cette belle équipe. Et voici le coffret. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thierry Durand de la société Acom, partenaire de cette catégorie. Merci et bravo Christelle Hez, bravo à toute votre équipe et continuez comme ça. Voici la 7e catégorie de cette soirée. Le développement durable, la prise de conscience individuelle et collective de l'importance du développement durable est une réalité que l'on ne peut évidemment plus occulter. Et même les entreprises, surtout les entreprises, doivent apporter leur pierre à l'édifice et soutenir cette transition. Alors pour évoquer ce soir ce sujet, j'appelle le partenaire de cette catégorie, Frédéric Touraille, directeur général délégué du groupe La Dépêche du Midi. Un film à regarder ensemble, 150 ans. 152, très précisément. Regardez. Au service des territoires depuis 150 ans, la Dépêche du Midi demeure attachée à ses valeurs républicaines et humanistes. Indépendante,
La Dépêche du Midi est à l'image de ses créateurs. Elle observe, dit, défend et donne le pouvoir à ses lecteurs de penser librement. Informer, c'est avant tout un défi humain et intellectuel, un engagement total et collectif au service de la vérité. La Dépêche du Midi est à vos côtés à chaque instant, pour observer, comprendre, témoigner, partager et vous informer de l'actualité de notre monde, de votre région, de votre quotidien. Elle est là, partout où bat le cœur de la région. Partenaire de la création, de l'action, le groupe organise les événements qui font rayonner les talents de notre région. Plus que jamais, la Dépêche du Midi entretient les liens qui nous connectent les uns aux autres. Gardienne de notre passé commun et messagère de l'avenir, elle poursuit son devoir d'informer dans un monde qui n'a de cesse de changer. ans après sa création, la Dépêche du Midi est un journal, et bien plus qu'un journal. Depuis 1870, et pour longtemps encore, l'information qui nous unit. L'aventure a commencé le 2 octobre 1870 et nous sommes le 3 octobre 2022. Ça fait 152 ans et un jour. Nous sommes le 3 novembre d'ailleurs. Donc je retire ce que je viens de dire. Mais ça fait 152 ans quand même. Je suis resté à l'heure d'été, c'est une catastrophe. Alors, catégorie développement durable. De quelle manière votre groupe met en place des actions développement durable et RSE aujourd'hui? Alors, on a 152 ans, ça me paraît à la fois très vieux, mais tellement jeune par rapport aux fonderies Gilet, que on a, comme média, on a une responsabilité, et en tant qu'imprimerie, on a une responsabilité, bien sûr, de protéger l'environnement, mais aussi de le faire savoir. Donc, protéger l'environnement, on le fait depuis des années, puisqu'on a été ciblé très rapidement en utilisant du papier, de l'aluminium, des encres, des produits chimiques. Donc, bien entendu, on recycle tous ces éléments. Pour la petite histoire, d'ailleurs, parce que on se documente quand à partir du moment où on doit recycler, on fonctionnait avec un fournisseur de papier qui recyclait à 100% son papier. Donc, je me disais, formidable, on ne peut pas trouver mieux. Difficile de faire mieux. Eh bien, si. Ouais, c'était une fausse idée reçue, puisque quand on recycle à 100%, on n'intègre pas de fibres d'arbres dans le papier. D'accord. Or, pour intégrer des fibres d'arbres, il faut planter des arbres. Oui. Il faut les laisser pousser. Mmh. Et donc aujourd'hui, on travaille avec des entreprises qui recyclent à 75% et qui intègrent pour 25% des fibres d'arbres qui emprisonnent, bien sûr, hein, le CO2 pendant des années avant d'être coupées et intégrées au papier. Voilà un exemple. Donc on progresse tous les ans. Et au-delà de ce qu'on fait en interne, on a bien sûr une responsabilité sociétale vis-à-vis des entreprises. Et de notre environnement. Donc, on le fait à la fois en embauchant, en formant, en accompagnant nos salariés et les familles qui sont autour d'eux. Et puis, on le fait aussi en éduquant aux médias. Et on le fait principalement, d'ailleurs, pour les plus jeunes, à la fois pour les éduquer sur les réseaux sociaux et pour les prévenir des fake news qui sont quand même assez nombreuses dans le monde dans lequel on est. Bien. Alors, ensemble, nous découvrons les 3 entreprises nommées dans cette catégorie. Spécialiste en fabrication d'ouvrages en bois, l'Atelier du Bois s'est orienté il y a près de 20 ans dans l'éco-conception pour sortir de sa dépendance au bois exotique. Le dirigeant Guy-Pierre Blanc souhaite proposer un produit qui dure dans le temps en valorisant les savoir-faire locaux et les matières premières de proximité. L'entreprise a reçu en 2013 le prix de l'éco-conception ou encore le prix régional de la construction bois en 2015 pour ses fenêtres. Son organisation intègre désormais des projets de compensation tels la plantation d'arbres et de haies. Depuis 9 ans, l'entreprise albigeoise Sapoval traite en circuit court les déchets gras issus de l'assainissement. Elle s'est désormais lancée dans la conception et la construction de procédés de saponification sur des stations d'épuration. Ce procédé permet de casser les molécules de graisse pour les rendre plus facilement biodégradables. Le directeur général Erwan Trotou a une vraie volonté d'innovation, consacrant 20% de ses charges à la recherche et au développement. L'activité graisse commence quant à elle à s'exporter en Belgique et en Espagne.
Fondée en 1936, l'entreprise Brian Environnement est spécialisée dans le recyclage de ferraille et de métaux, mais aussi la gestion globale des déchets. Elle dote les industriels de bennes ou bacs pour les cartons, les plastiques et le verre. Sous l'impulsion de sa directrice générale, Sandra Cotte, l'entreprise joue la carte de la polyvalence grâce notamment à une unité de traitement du verre ménager pour en refaire des bouteilles. Enfin, Brian Environnement dispose également d'une activité d'abrasif et de filtration de piscine en collaboration avec Gachimi. Trois belles activités liées au développement durable que nous applaudissons. Brian Environnement à Saint-Juéry, Sapoval à Albi et l'Atelier du Bois à Puy-Gouzon. Voici venu le moment, Monsieur Touraille, d'ouvrir cette enveloppe et de nous annoncer le nom de l'entreprise lauréate de cette catégorie. Donc le lauréat est l'entreprise Sapoval. L'entreprise Sapoval à Albi. Et donc l'occasion d'accueillir Erwan Trotou, directeur général et fondateur de Sapoval. Il est avec nous, Erwan. Nous l'invitons à nous retrouver sur scène. Catégorie développement durable. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations. Merci. Avancez-vous, je vous en prie. Votre réaction d'abord ? Forcément, agréablement surpris et très content. Très content aussi, mine de rien, d'être lauréat avec d'autres entreprises qui ont des valeurs communes et qui œuvrent sur cette thématique du développement durable, dont un partenaire qui est l'entreprise Brian, avec qui on travaille au quotidien aussi. Voilà. Ce qui est marquant, c'est que vous avez fondé cette entreprise il y a 9 ans. Et qu'aujourd'hui, en 2022, au mois de novembre, vous avez beaucoup évolué à tel point que l'activité initiale de départ ne représente plus que 30%. Tout le reste, c'est le fruit d'innovation, de diversification. C'est ça. On a parlé de rebond. Donc oui. Nous, on a pas mal évolué, effectivement. Le traitement et la valorisation des déchets gras aujourd'hui, c'est une 30% de l'activité. Et aujourd'hui, on s'attaque au management du cycle de l'eau de manière globale. Ouais, d'accord. Et des eaux usées. Les eaux usées, c'est une ressource en eau. On en a beaucoup parlé cet été. On va encore beaucoup en parler dans les années à venir. Mais c'est aussi, j'aime pas parler de déchets, mais des sous-produits à valoriser, à trier, à réutiliser. Et puis aussi une énergie. On parle de crise énergétique, mais dans l'eau, il y a beaucoup d'énergie à aller chercher et récupérer. Et c'est plein d'enjeux assez passionnants à travailler. 15% de croissance annuelle, il est absolument impératif pour votre société de s'adapter à ce rythme. De quelle manière vous le faites ? Oui, alors nous on va dire qu'on est sur un marché qui est aussi porté par le changement climatique et toutes les contraintes de plus en plus fortes qui sont portées notamment sur le monde industriel, hein, puisqu'une grosse partie de notre activité est en soutien des activités industrielles à peu près quelle qu'elle soit. Et puis ensuite, c'est aussi d'aller chercher de nouveaux marchés. On a parlé de l'export rapidement tout à l'heure, et puis dans les exemples précédents, c'est un des exemples. L'innovation en est aussi un fort exemple. En étant auprès de nos clients et en identifiant des besoins, on veut une innovation pragmatique, une innovation assez facile d'accès pour essayer de développer rapidement des nouvelles soit des nouveaux procédés, soit des nouvelles solutions techniques, comme on l'a fait sur le traitement des déchets gras, sur d'autres sous-produits de l'eau. Voilà. Vous êtes le lauréat ce soir, félicitations. Merci beaucoup. Voilà, vous allez vous avancer. Et voici le trophée remis par Frédéric Touraille. La photo pour Erwan Trotou, directeur général et donc fondateur de Sapoval à Albi. Voici votre coffret des saveurs du Tarn. Voilà, c'est pour vous. Bravo, la photo, c'est fait. Bravo, on vous applaudit. Merci beaucoup à tous les deux. Erwan Trotou et Frédéric Touraille, merci. L'avant-dernière catégorie de cette soirée, c'est la 8e.
Catégorie innovation, fil conducteur de la réussite entrepreneuriale, une catégorie qui est soutenue par le conseil départemental du Tarn et son président est avec nous. Je l'invite à nous rejoindre, monsieur le président Christophe Ramon, et quelques images, le temps qu'il nous retrouve sur scène. Voilà pour ce film. Merci beaucoup d'être avec nous, monsieur le président du conseil départemental. L'innovation et les entrepreneurs qui sont avec nous dans la salle le savent, c'est un élément différenciant pour avancer encore et toujours. De quelle manière le département du Tarn aide à l'innovation aujourd'hui ? Oui, je suis très heureux d'être là ce soir. Je veux vraiment remercier la CCI, la Dépêche, tous les partenaires pour cette mise en avant des savoir-faire tarnais. Et je crois qu'en matière d'innovation, vous l'avez vu avec ce film, le conseiller départemental essaie d'innover dans ses compétences, mais on essaie surtout d'être des facilitateurs pour mettre les entreprises tarnaises dans les meilleures conditions pour innover. Pour nous, l'objectif, c'est d'aller plus loin en matière de déplacement. On se bat pour l'arrivée de l'autoroute, mais on a mobilisé des moyens forts pour améliorer la liaison entre Albicastre, permettre aussi à ce que la fibre soit bien présente partout et puisse donner de nouvelles débouchés aux entreprises tarnaises. Donc c'est de multiples actions au quotidien pour jouer ce rôle de facilitateur et accompagner le plus possible le développement de l'activité dans notre département. Mais on peut être très fiers ce soir de ces savoir-faire tarnais, de la motivation des chefs d'entreprise et surtout des retombées très positives sur notre territoire en matière d'image pour notre département. Les investissements, président, dont vous venez de nous parler, représentent en 2022 100 millions d'euros pour votre collectivité. Avec la période actuelle, est-ce que cet investissement pourrait être remis en cause ? Non, je crois qu'on a vraiment cet objectif de continuer à investir parce qu'on le fait bien évidemment pour structurer notre territoire, permettre à ce que, en termes d'infrastructures routières, on puisse rattraper certains retards. On sait aussi que l'investissement public, c'est des emplois d'aujourd'hui et de demain. Donc, même si le contexte est un petit peu compliqué aujourd'hui, on essaiera de maintenir cette barre et d'investir au cours des 5 prochaines années 500 millions d'euros pour donner directement et indirectement aussi de l'activité aux entreprises tarnaises. Président, ensemble, nous découvrons les 3 entreprises nommées dans cette catégorie. L'entreprise Les Ardoisiers, devenue Décopierre 81, développe le métier de tailleur d'ardoise depuis plus de 25 ans. Les 4 collaborateurs de l'entreprise travaillent actuellement sur Flexipierre, une feuille de pierre naturelle de 2 mm extraite par une résine et ensuite utilisée en revêtement pour piscine, crédence de cuisine ou plan de travail. Ce procédé breveté est à présent exporté au-delà de l'Hexagone. Il se décline en une palette variée de teintes et de grains de pierre qui sera à l'honneur lors de la prochaine foire internationale de la piscine à Lyon. «
CM Médical est né de l'idée de Christophe Michaud, spécialiste en stérilisation hospitalière. Après 15 ans de réflexion, il a lancé en 2016 le développement d'une monodose d'huile stérile à usage unique pour lubrifier directement les moteurs des blocs opératoires. Son concept innovant a été mis sur le marché en février 2021. Des partenaires comme la région Occitanie ont cru au projet qui se décline en France et à l'étranger. Depuis Castres, Christophe Michaud travaille aujourd'hui à l'amélioration de cette monodose 100% recyclable. L'objectif, réduire de 50% le plastique, même recyclé dans la nouvelle mouture. Usitech est spécialisée depuis 2000 en mécanique de précision pour le secteur du bâtiment. Elle fabrique également de l'outillage pour la menuiserie aluminium. En créant en 2017 la société Auxion dans le secteur de l'IoT et des systèmes connectés, Didier Blanc et son équipe ont pu développer des projets vers les économies d'énergie. Pour aller plus loin dans l'innovation, une nouvelle entreprise a vu le jour en 2019. Nax se concentre sur un produit 3 en 1 avec une unité de fraisage, de l'impression 3D et du laser. L'innovation est le point commun de ces trois entreprises que nous applaudissons. CM Médical à Castres, Décopierre 81 à Dourgne et Usitech à Prince. Monsieur le Président du Conseil départemental, voici le nom du lauréat. Alors, je crois qu'on a de belles entreprises, de belles réussites, mais le lauréat ce soir, c'est CM Médical. CM Médical, c'est Christophe Michaud, son président. Il est avec nous. CM Médical, le prix innovation de ces septuors du Tarn. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Merci beaucoup. Alors, bienvenue et bravo. Avancez-vous, je vous en prie. Alors, merci. C'est formidable. On l'a vu dans le court reportage qui a été réalisé. Alors, vous avez directement commencé votre activité le jour 1 par une énorme innovation que vous avez couvée pendant quelques années. Oui, c'est ça. Oui, c'est énormément de travail. C'est-à-dire que j'y ai pensé effectivement depuis longtemps. Et j'ai eu la possibilité en 2016 de commencer les recherches. J'ai eu l'autorisation de mettre sur le marché, enfin le marquage CE qui est très difficile à avoir, surtout dans le médical. Je l'ai eu obtenu le 24 février 2021. Voilà, donc ça fait un an et demi que je diffuse Stérilube partout. Que s'est-il passé le jour où vous avez compris qu'il y avait un léger problème dans la manière dont ces huiles lubrifiantes étaient utilisées dans le milieu médical? Le jour où vous avez compris ça, et que quelque chose s'est allumé dans votre cerveau, vous vous êtes dit... Déjà, comment vous avez fait pour patienter aussi longtemps, pour développer aussi longtemps, pour préparer aussi longtemps avant de vous lancer 15 ans? C'est extrêmement difficile déjà de se lancer, parce que je dois être la plus petite entreprise dans le médical au monde, je pense. Vous avez tout le personnel devant vous. Ouais. Si vous voulez, au départ, effectivement, j'ai passé un DU de stérilisation au milieu hospitalier à la fac de pharmacie de Nantes. Et puis, lorsque j'ai été formé là-dessus, et même bien avant, des clients dans le dentaire notamment me demandaient quand est-ce qu'on lubrifiait les pièces à main. Ouais. Voilà, et donc pour moi c'était après la stérilisation, ça me paraît logique, on ne stérilise que ce qui est propre et sec. Normalement, oui. Et partout dans le monde on met de l'huile avant. Voilà, donc, et évidemment, vous n'avez rien dit à personne. J'ai protégé, j'ai déposé un brevet international. Et voilà, donc maintenant on commence à commercialiser un petit peu partout. On a maintenant de beaux clients comme la Riboisière à Paris, comme le CHU de Rouen, comme. L'hôpital de Sainte, enfin bon, des beaux clients, puis un peu à l'étranger également. L'innovation est formidable. À ce stade-là, est-ce qu'il est possible d'imaginer que vous puissiez l'améliorer et innover sur votre innovation? Oui. Alors, on l'a faite. Alors, je fabrique en France. Je suis fier d'être fabricant français. C'est une volonté au départ. Je fabrique avec 50% de polyéthylène recyclé et c'est 100% recyclable. Effectivement, on a réfléchi sur une manipulation plus simple. À la place d'un bouchon que l'on a actuellement, on va mettre un embout sécable, comme sur le sérum physiologique. Pardon. Oui. Et donc, ça sera plus simple. On va enlever le bouchon, donc on enlèvera 50% de plastique. Ouais, effectivement, donc on sera encore un peu plus éco-responsable. Est-ce que vous êtes parfois confronté à un non
on ne veut pas ce système monodose stérile. Alors, on préfère rester sur l'ancien, sur les vieilles habitudes. Ça arrive rarement. Ouais, je ne vous demande pas de nom. Hein. Ça arrive rarement, ça arrive rarement, mais parce qu'il faut changer les habitudes et c'est ce qui est compliqué. Bien sûr. Dans les hôpitaux, il y a, toutes les procédures sont écrites. Et là, il faut changer les procédures. C'est lourd. Il faut les réécrire. Je parlais de la Riboisière tout à l'heure. Les premiers essais ont été faits chez eux à partir du 1er février. Et la première commande a eu lieu le fin juillet. Mmh. Et il faut le temps de mettre en place tout ça. Donc, voilà, petit à petit, on y va. C'est relativement long, mais on va y arriver. Voilà, positive attitude, on disait tout à l'heure. C'est le mot d'ordre de la soirée. Hein. C'est ça. C'est la pierre angulaire de la soirée, c'est la positive attitude. C'est félicitations. Ça. Bravo. Merci beaucoup. Vous êtes le gagnant. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Le président du conseil départemental. Merci. Avancez-vous tous les deux. La remise du trophée pour Christophe Michaud, président. Vous saluerez l'ensemble de votre personnel. Et voici votre trophée. Et l'avantage, c'est que le coffret saveur du Tarn, vous l'avez pour vous. Merci. Tout seul. Merci beaucoup. Christophe Michaud, CM Médical, est le président du conseil départemental du Tarn. Le prix Merci. Innovation de ces Septuors. Ah oui. Voici votre coffret. Merci beaucoup. Voilà, vous ne repartez pas les mains vides. Et surtout avec nos remerciements et nos félicitations. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci, Monsieur le Président du Conseil départemental. Et bravo, Christophe Michaud. Voici la 9e catégorie, la dernière de cette soirée. Il s'agit du prix spécial de la région Occitanie. Le savoir-faire et l'innovation sont le moteur des entreprises tarnaises. La région ne peut que les soutenir. Il est donc normal que nous accueillions maintenant M. Vincent Garel, conseiller régional, accompagné d'un film que voici. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Vincent Garel, bonsoir. Vous êtes conseiller régional, président du comité régional de tourisme et maire d'Aiguefonde. Bravo, dans l'ordre. Oui, j'ai votre CV quasiment au complet. Alors, il existe dans chaque département, dans chaque territoire, il existe, et nous le constatons, des entrepreneurs visionnaires qui innovent et qui se développent. On a eu un exemple il y a quelques minutes encore. La question, c'est comment les identifier, comment les soutenir. Est-ce que vous avez des solutions, comment dire, est-ce que vous avez des solutions à la carte à leur proposer, à ces entrepreneurs? Alors, tout d'abord, bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureux d'être ici au nom de la région Occitanie, vous l'avez dit, de la présidente Carole Delga. Je salue les partenaires de l'organisation de cette soirée parce que ce sont avec eux qu'au quotidien, nous travaillons sur l'ensemble des 13 départements d'Occitanie pour justement identifier ces pépites, ces talents qui ont été récompensés depuis le début de cette soirée et que la région Occitanie va continuer à soutenir, d'abord par une action. La présidente Carole Delga souvent utilise le terme de dentelle, c'est-à-dire d'être au plus près des territoires, d'être au contact des chambres de commerce, des consulaires de façon générale, des chefs d'entreprise, de discuter avec eux, d'échanger. Nous avons également des outils, l'agence ADOC, qui est un des partenaires de la soirée, qui est un outil de la région Occitanie et très présente sur les territoires pour justement avoir cette finesse. Et nous avons ensuite les grandes politiques régionales de soutien. Pendant la crise sanitaire, on sait que les collectivités se sont largement mobilisées et la région Occitanie a été une des premières à le faire avec la mise en œuvre notamment du fonds local, qui était une particularité d'Occitanie, qui était cette seule méthode mise en œuvre au niveau national, où nous avions autour de la table à la fois les consulaires, à la fois les collectivités et la région
pour financer, pour aider les entreprises à passer ce moment difficile qui était la crise sanitaire. Cette année, en 2022, la région s'est engagée avec le pacte pour l'embauche qui vise à éliminer, diviser les difficultés de recrutement que peuvent rencontrer quelques entreprises et qui peuvent être un frein à leur développement. Est-ce qu'on a quelques éléments de bilan de cette opération, de ce dispositif Pacte pour l'embauche et surtout, est-ce que l'année prochaine, en 2023, il sera reconduit? Alors, du bilan, lorsqu'on vient de démarrer une opération, c'est un peu compliqué. Oui. Bon, voilà, on va être tout à fait honnête. C'est une opération qui démarre, mais qui est issue justement de cette réflexion avec le terrain, puisqu'on a constaté, et les chefs d'entreprise qui sont ici pourraient en témoigner, qu'il y a des difficultés pour embaucher, qu'il y a des contraintes qui sont posées à des personnes qui pourraient être des futurs collaborateurs des entreprises de nos territoires. Et donc la région Occitanie, par la mise en œuvre de ce plan, est là pour essayer d'accompagner. Alors, si je vous parle un petit peu de tourisme, qui est ma spécialité, nous sommes en train, par exemple, de travailler sur un groupement d'employeurs au niveau régional, qui ferait le lien entre le littoral et les Pyrénées pour faire en sorte que les saisonniers, on sait que l'embauche des personnels saisonniers, c'est un sujet très important et qui pose beaucoup de questions, et bien pour qu'on puisse travailler sur ce sujet et essayer de faciliter l'embauche du saisonnier notamment. Très bien. Nous allons découvrir ensemble les deux entreprises nommées dans cette catégorie sont... Manufacture de maroquinerie depuis 1969, labellisée entreprise du patrimoine vivant, les ateliers Fourès sont installés à Groyer, capitale française du cuir, et fabriquent à la main principalement des sacs, portefeuilles et ceintures. Pour faire perdurer ce savoir-faire, l'entreprise va réhabiliter la friche industrielle de l'ancienne tannerie de la ville afin d'agrandir l'atelier et d'accueillir un parc machine plus moderne. Ce nouveau bâtiment a vocation à devenir un écrin pour la marque sur lequel la dirigeante associée Amandine Guigra va pouvoir communiquer. Sevastera est une entreprise biopharmaceutique créée en 2016 à Castres par Sylvie et Bruno Legrand qui vise à traiter la maladie de Crohn. Déjà deux brevets ont été déposés après des études précliniques réalisées avec succès. Ils lancent une nouvelle levée de fonds pour pouvoir lancer des études cliniques chez l'homme en 2023. Depuis un an, Sevastera s'implique aussi dans un nouveau projet baptisé Cispain qui vise à traiter la cystite interstitielle. L'entreprise travaille à la découverte d'une formulation originale pour des études cliniques prévues à l'horizon 2024 et 2025. Le prix spécial de la région Occitanie, vous applaudissez l'atelier Fourès à Groyer et Sevastera à Castres. Donc nous avons deux exemples formidables de savoir-faire, d'innovation sur notre territoire. Et le lauréat du prix spécial région, ce sont les ateliers Fourès. Les ateliers Fourès. Logan Guy, le gérant, et Amandine Guigra, dirigeante associée des ateliers Fourès, le prix spécial de la région Occitanie et dernier prix de cette soirée avant d'organiser dans quelques minutes. Et là, je m'adresse à tous les lauréats de cette soirée et à tous les partenaires remettants de cette soirée. Nous allons vous solliciter dans quelques instants ici sur la scène pour la grande photo finale. Bravo à tous les deux. Amandine ? Merci, c'est bien moi. Félicitations. Merci beaucoup, merci. Merci à tous. Et évidemment, je dédie ce prix à l'ensemble de notre équipe. Alors, je ne sais pas si on est une entreprise pépite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a plus de 40 salariés et chacun d'eux a un petit peu d'or dans les mains. Et voilà, je leur dédie évidemment ce prix qui est tout collectif ce soir. Bien. Alors, cette entreprise est née en 1969, c'est bien ça? Oui. A beaucoup évolué depuis. Aujourd'hui, cette entreprise, on l'a entendu dans le reportage, elle mûrit un projet qui consiste donc à réhabiliter une friche industrielle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est notamment sur les soutiens qu'éventuellement vous auriez reçus. Oui, avec plaisir. Eh bien, en effet, on a eu ce projet un petit peu fou de réhabiliter une friche à Groyer. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur Groyer, qui est un formidable territoire où il y a un patrimoine cuir qui est millénaire. Donc évidemment, au bout de 1000 ans, il y a un très très beau savoir-faire. Et puis,
quand on est toujours là après 1000 ans, c'est aussi qu'il y a beaucoup d'innovation. Voilà, aujourd'hui, c'est toujours une capitale française de cuir, Groyer. Il y a plus de 58 entreprises qui travaillent dans ce secteur-là et qui méritent voilà, d'être mis en lumière aussi un petit peu ce soir. Et donc, ce patrimoine cuir s'illustre aussi par une très belle architecture assez typique des mégisseries de l'époque, avec des très beaux bâtiments en pierre, en briques, avec des galetas en bois. Et qui aujourd'hui ne sont plus, ne sont pour certains d'entre eux en friche. Et on a repéré un très beau bâtiment qui est en centre-ville et qui nous permettrait de s'agrandir, d'offrir un très bel écrin aussi à la marque Atelier Fourès, d'offrir un bel espace de travail à notre équipe. C'est voilà, une ancienne tannerie, hein, c'est ça ? Une ancienne tannerie, oui, une ancienne tannerie mégisserie. Voilà. Et avec ce projet un petit peu fou, on a trouvé des partenaires très sérieux, eux, voilà, et notamment la région Occitanie qui nous soutient à travers leur programme, leur appel à projet Reconquête des friches en Occitanie, qui s'inscrit dans une politique de non-artificialisation de nouvelles zones. Voilà, et on est très, très heureux de pouvoir compter sur leur soutien. Vous en êtes à quel stade, là ? Eh bien, on est en train de devenir propriétaire de cette friche. Les travaux vont démarrer normalement le mois prochain. Donc l'année prochaine, pour la 10e édition des Épiores, on aura quelques photos cette réhabilitation. J'espère qu'on aura l'occasion de remercier et d'inviter tous nos partenaires. D'ailleurs, aujourd'hui, ce soir, il y a plusieurs partenaires, il y a des clients, il y a des fournisseurs. On est aussi très fiers d'appartenir à ce département et à cette région qui nous a très bien accueillis. Et puis, évidemment, on fera une jolie fête à l'ouverture et vous serez les bienvenus. Ouais. Et une région qui a aidé. Donc vous voyez, je ne vous mentais pas quand je vous disais qu'on était au plus près des projets, puisque vous avez là un témoignage. Et moi, j'ai la double casquette de partenaire au nom de la région, j'en suis très heureux, et de client. Et donc, je suis d'autant plus heureux que vous ayez obtenu ce prix ce soir. Voilà. Merci. Merci de votre confiance. Voilà une belle histoire que nous allons suivre. Avancez-vous, je vous en prie. Monsieur, vous voulez rajouter quelque chose ? Non ? Alors, installez-vous pour la photo et voici le trophée. Voici le trophée pour l'atelier Fourès. Bravo à tous les deux. Et merci à Vincent Garel, conseiller régional, parrain de ce prix spécial de la région Occitanie. Et voici le coffret Saveur du Tarn, partenaire de cette soirée. Vous allez vous régaler. Alors, exceptionnellement, contrairement à tous les autres invités de cette soirée, vous allez rester sur scène. Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle je vous demande de rester sur scène ? Je vous vois effrayé. Non, n'ayez pas peur. On va appeler maintenant sur cette scène, s'il vous plaît, tous les lauréats de cette soirée et tous les partenaires. Pour vous y aider, regardez l'écran. On va appeler pour Jette Électronique, Michel Lambert, les Jardins du Rudel, s'il vous plaît, venez, vous avez été récompensé, vous avez gagné ce soir. La Nouvelle Fonderie, Gilet Industrie, Nicolas Pomared, les Fermiers Occitans, la SAS André Iriard, Noix d'Arec avec Christelle Hez et son équipe, Sapoval, Erwan Trotou, gagnant également CM Médical, Christophe Michaud et les Ateliers Fourès, ils sont sur scène. Nous organisons maintenant une belle photo avec tous les lauréats de cette soirée et je vais en profiter pour m'adresser à Frédéric Touraille et probablement au président Michel Bossy, président de la CCI, pour un mot de la fin, pour un mot bilan, le temps que cette photo se mette en place. Messieurs, président. Allez, j'attaque. Attaquez. Bien, écoutez, nous avons mis à l'honneur des entreprises, nous avons mis à l'honneur des chefs d'entreprise, des équipes qui sont derrière les chefs d'entreprise, de belles entreprises tarnaises et beaucoup de talents derrière. On l'avait dit au début, mais on peut constater énormément de talents. Et franchement, c'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur de voir que quand on dit qu'on est résilient dans ce département, quand on dit que les chefs d'entreprise se remettent en cause tous les jours, quand on dit que, ben voilà, qu'il n'y a pas de,
comment dire, qu'il n'y a pas de fatalité et que l'avenir est devant nous, quoi qu'il arrive. Voilà, on a toujours fonctionné comme ça en tant que chef d'entreprise, mais vous en avez un exemple frappant. Donc, bravo à tous, c'est eux qu'il faut féliciter. Et un grand merci encore à, voilà, à tous les partenaires qui permettent de tenir cette soirée. Merci bien entendu à la Dépêche. Et j'ai envie de vous dire, avant de rendre le micro, à l'année prochaine. Merci, Président. Nous avons eu, c'est vrai, une illustration fidèle, parfaite, de ce que sont les valeurs que les entrepreneurs doivent défendre pour se développer. Et grâce à toutes les trajectoires de nos entreprises récompensées ce soir, c'était une illustration idéal. Frédéric Toine. Juste, donc j'en ai profité pour prendre quelques petites notes pendant, pendant cette remise de diplôme pour... De trophée, mais ce sont aussi des diplômes. Hein, pour faire en 60 secondes un petit résumé de la soirée pour ceux qui n'auraient pas tout suivi. Alors, on a beaucoup parlé de positive attitude, on l'a dit à plusieurs reprises. Et on a beaucoup entendu également de remise en cause de la part des managers nécessaires, de la capacité à se projeter, de la fierté de chaque salarié d'appartenir à certaines marques, de proximité, de travail d'équipe. On a parlé également d'entreprises familiales, on a parlé aussi d'entreprises individuelles. On a vu beaucoup d'équipes sur scène et je partage, Stéphane, votre point de vue. C'est très bien que les gens puissent venir ensemble sur scène. On n'a bien sûr pas échappé au CO. On a également parlé, et là, quand on va un peu plus dans le détail, on a parlé d'obsolescence programmée, de prolongement de la vie électronique avec jet électronique. Le jardin du Rudel nous a permis de nous projeter dans la jardinerie urbaine depuis 1951. On a aussi parlé de vin chaud et de bretzel. Et c'est vrai qu'à cette période, ça commence à compter, à cet horaire. On a eu aussi la nouvelle fonderie Gillet. Donc on a découvert une fonderie la plus ancienne de France, sans doute la plus ancienne du monde, depuis 1687. On a eu aussi avec les fermiers occitans, on a appris qu'on aurait du foie gras à Noël, mais pas pour tout le monde. Par ailleurs, avec l'entreprise IAR, on s'est bien rappelé qu'on avait des racines et des ailes. Des racines, bien sûr, avec la tannerie à Grouillé et à Mazamet, et puis des ailes entre Tokyo, New York, Miami, Moscou ou Milan. Ça nous a fait un peu rêver. Les lois d'AREC nous ont rappelé quand même qu'on aimait quand même les Toulousains, mais dans les magasins. Et qu'on était les entrepreneurs toujours avec le sourire. Et ça, c'est une vraie qualité. Et puis, pour parler de Sapoval, on a découvert la saponification, qu'on ne connaissait pas tous, et la capacité de rebond utile pour chaque entreprise. Enfin, on a parlé d'innovation médicale, on a parlé de fabrication française avec CM Médical, et puis les ateliers Fourès nous ont rappelé que le cuir était quand même très important pour le Tarn et toujours très présent à travers au moins trois trophées, je crois, et puis de réhabilitation de friches industrielles. Donc pour synthétiser tout ça, et c'est Aznavour qui le disait tout à l'heure, on a passé une soirée formidable. Ça s'appelle l'art de la synthèse. Merci beaucoup Frédéric Touraille, merci. Le moment de la photo maintenant. Alors, stratégiquement, c'est important de se placer comme il le faut. Nos amis photographes vont nous donner des instructions. J'en profite pour remercier celles et ceux qui, sur ladépêche.fr, ont suivi cette soirée en direct. Merci beaucoup de votre présence derrière vos écrans. Et voici donc la photo de fin. C'était la 9e édition des Septuors dans le Tarn. Oui. Les lauréats sont invités à se placer au premier rang, s'il vous plaît. Les lauréats, alors avancez tous d'un petit pas, voilà. Et les lauréats vont se placer au premier rang. Et dans quelques minutes, mesdames et messieurs, nous allons basculer dans l'autre partie de cette très jolie salle qui nous accueille aujourd'hui pour un cocktail networking. La photo. Moi, je pense que ce serait une idée formidable pour cette photo de l'accompagner des applaudissements de celles et ceux qui sont avec nous. Bravo à toutes et à tous. Merci à toutes les équipes qui ont préparé
cette cérémonie. Stéphanie, notamment, merci pour le travail très précis. Merci aux équipes techniques cachées derrière leurs appareils qui clignotent et qui ont été, comme d'habitude, très performants et discrets. Merci beaucoup, les garçons. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous derrière le rideau pour le networking. Merci, bonsoir. Thank you.